tant aimé, tant défendre, tant supporter. On t'a vu ici. Pour les hommes, là, tu as commencé, après tu as laissé tomber. On t'a vu ici. Je me suis indigné face à Lolo du fait qu'elle n'a pas voulu prendre position et supporter sa soeur du village par rapport au deuil de Samy. Tu as tourné ta bouche ici, tourné ta langue pendant des jours et des jours. Je vais clasher Lolo, vraiment, si elle a fait ça. Lolo vous insulte tous les jours dans sa page. Vous l'envoyez les litis, vous l'envoyez les cœurs, vous l'envoyez les étoiles. Tu penses que toi, Sandra, tu peux l'ouvrir pour dire que tu peux m'humilier? Parce que j'ai échangé avec Flore de Lille et que ton ego en a pris un coup. Mais je t'emmerde. Mais je t'emmerde. Je ne sais plus rien dans le peuple quand. Toi-même, tu es quoi? Il y a un statut dans nos histoires là, parce que je ne le connais pas. Hein. Tu sais ce qu'on s'était dit à Strasbourg? Tu connais ce que Papa Tebankou avait donné comme parole en ce qui nous concerne? Tu étais là-bas, tu devais savoir. Il a dit ceci. Il ne veut plus voir les filles et quand se donner un spectacle dans les réseaux sociaux. Si tu étais là-bas, tu allais comprendre ça. Tu ne me dépasses pas même pour le clash. Je te clash ici pendant une semaine. Aussi, ma jamie à l'autre. Quand on prend sur nous, ça ne veut pas dire qu'on a peur de vous. Je vous connais trop bien. Quand vous devez être là pour soutenir, on ne voit personne. On ne vous voit pas. Mais quand il faut venir donner les conditions aux gens, vous êtes les premiers. Quand il faut venir dire vos mécontentements aux gens, vous êtes les premiers. Tu avais lieu de faire cette sortie. Tu ne pouvais pas m'appeler. Tu n'as pas mon numéro. Tu es parti dans votre groupe. Faire le Congo ça là-bas, vous mettre d'accord comment, oui, toi qui peux là, va vraiment, va détruire lui. Tu peux me détruire. Sandra, tu peux. Tu me peux. Pas le sautement de criquet que tu faisais hier là. Hein. Je connais très bien ton historique. Hein. Méfie-toi de moi. Je ne suis pas ton enfant. Tu ne m'as jamais vu lécher le cul de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Échanger avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je supplie la personne. Me proposer de faire la publicité à une consoeur, ça ne veut pas dire que je supplie la personne. Ça ne fait pas d'elle mon ami. D'accord? Ça ne fait pas d'elle mon ami. Donc bois de l'eau et laisse descendre le macabo. Je t'interdis. Je te dis bien que je t'interdis formellement de faire encore pack sur cette histoire-là. Parce que ton placard n'est pas propre. Avant de venir fouiller dans le mien de placard, vide le tien. Je n'ai jamais vu une femme qui se balade dans les réseaux sociaux comme toi. Et qui finance le réseau social camerounais comme toi. Et le peu qu'on vous demande pour vous, pour le peuple, puisque c'est du peuple que tu parlais hier, tu es empêché par quoi? J'ai abandonné femme et homme et enfant ici pour y aller. Un acte de présence symbolique. J'ai fait un litige ici. Tu as donné combien? Mais quand Lolo va te demander, tu vas envoyer l'argent. Quand Compresseur va te demander, tu vas envoyer l'argent. Pour envoyer l'argent à des choses no sense. Voilà à quoi sert votre argent. Vous payez pour attiser la haine. Vous payez pour attiser la haine. À quand pour vous? À quand les vôtres? En dehors de Josiane Ozoaka, je vois qu'elle se démêle un peu pour essayer d'exister sur le réseau social. Il y a encore qui? Veuve vous a tourné le dos. Oh, ah. Et avec raison. Il y a encore qui? Vous mettez les vôtres en haut? Les mêmes gens que vous voulez qu'Élise insulte, que Élise déteste, Élise hait, ce sont les mêmes gens avec qui vous traînez. Ce sont les mêmes gens avec qui vous traînez. Donc c'est moi qui dois être conditionné dans la haine.
Et vous, pendant ce temps, vous êtes partout, vous vous baladez sur Meta, vous causez avec tout le monde, mais Elise ne doit pas causer avec quelqu'un. Volmia dans ma ton. Volmia dans ma vœu. Volmia soulevé ma. C'est un choix, c'est un devoir qui me vient du cœur. Quand je mets ma caméra pour défendre le peuple, quand je mets ma caméra pour défendre les miens, on ne me met pas la purge au cul. On ne me met pas la purge au cul. Je le fais parce que ça me vient du cœur et ça me prend dans les entrailles. On a pleuré Samy ici. Toi, Sandra, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu, hein? Pourquoi? Parce que tu supportais Lolo. Je ne t'ai pas vu venir couler une seule larme ou demander la justice pour Samy. Parce que quoi? Parce que tu es derrière les fesses de Lolo. Avant de venir fouiller dans mon placard, vide les tiens. Je suis adulte. Je fais ce que je veux. Je n'ai de compte à rendre à personne. Si celui qui est trop offusqué, que j'ai échangé avec Fleur de Lille, boit de l'eau et laisse descendre le macabo. Parce que ce que vous faites derrière, derrière, je ne viens pas vous interdire d'échanger avec des gens. Je ne viens pas entrer dans ta pensée, toi Sandra. Je ne viens pas entrer. Si c'est ma place dans les camps que tu veux là, viens prendre. Puisque tu as dit dans ton live que ce sera maintenant moi. Je ne savais pas que tu me concurrençais sur quelque chose par rapport au fait de positionnement, c'est bien un grand mot, par rapport au fait des histoires, des écrans sur la toile. Je ne savais pas que tu voulais aussi exister. Mais ma soeur, mets la caméra, je viendrai te mettre les corps, je vais partager tes vidéos. Et tu sais que j'ai toujours partagé tes vidéos, même sur ma page YouTube. Il y a des gens que je quitte avec eux sur Facebook ici. Je les amène sur ma page YouTube, se fait connaître. J'ai plus de 5000 abonnés là-bas. Il y a des gens qui quittent YouTube, qui viennent sur Facebook, qui commencent à venir écouter des gens parce que j'ai partagé leurs vidéos. Parce qu'ils les ont connus là-bas chez moi. Fais alors le combat des écrans, là on voit. Mais fais-le comme il faut. Ne le fais pas à petite dose. Voilà Colin Nala qui insulte les écrans là-bas, matin, midi, soir. Mets la caméra, tu l'insultes. Mets la caméra. Je viendrai mettre les cœurs, je vais partager. Je vais même te soutenir, même par la parole. Je prendrai la parole. On va insulter Colin Nala là ensemble. Pour défendre notre peuple. Dissocier les choses. Si tu veux parler d'Élise, si c'est que tu veux me parler, parle à ton nom. Ne dis pas que nous, le peuple Ouza, nous, toi et qui? Toi et qui? Toi et les japapteuses que tu fais le japap dans le groupe là? Toi et eux, je les connais. Ils sont tous en faux profil. Toi, au moins, tu as eu l'audace de quitter ton faux profil. Gaël Compressor, ce faux profil là, c'était le tien. Gongabo Gaël Compressor. Guinouwa. Vous errez maintenant partout sur les réseaux sociaux là. Parce que Flore et Ngossa ont fait la paix. Mais laissez-leur faire la paix. Où tu pars, toi Sandra? Je parle de toi particulièrement. Dès que tu entends qu'on insulte Flore de Lille quelque part, tu pars faire ami avec la personne, tu t'assois là-bas. Je suis une femme qui supplie l'amitié. À mon âge. Au contraire. Je suis même ravie que cette petite échange que j'ai, 5 messages. Pour 5 messages, vous voulez mourir. Oh, tu allais supplier que tu vas aller à... On supplie pour aller dans une soirée. Une soirée, c'est quelque chose que tu payes ton billet, tu payes ta table et tu vas t'asseoir comme tout le monde. Donc, on supplie aussi pour aller dans les soirées. Mais voyons, parfois, quand vous voulez parler, mais mettez-y un peu de la graine dans votre cerveau avant de l'ouvrir. On supplie pour aller dans une soirée. Je vois les gens écrire partout, oui, tu es allé supplier pour aller dans une soirée. Elle fait une soirée, elle veut gagner de l'argent. Et moi, Elise, je viens supplier. Pourtant, moi, je prends mon argent, je paye mes billets, je paye ma table, je prends mon cul, je m'en vais poser à la soirée, je bois mon alcool, je danse pour petit pays et je fous le camp chez moi. Mais c'est quoi? Tu as beaucoup parlé hier, hein?
Heureusement que je suis venue te stopper dans ton élan. Attention aux gens qui t'encouragent là. Qui sont derrière en faux profil. Mais qui seront incapables de mettre leur caméra demain ou après-demain pour venir défendre la cause et quand. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Et je ne veux encore moins qu'on me garde dans une case qui n'est pas la mienne. Si seulement on me garde alors on me garde dans cette case-là et on me met en haut. Je peux comprendre que si je souffre comme ça, même si je prends les coups de gauche à droite, au moins je suis en haut avec ma famille. En haut, pas participer dans les litiges, pas allons à l'intronisation de Papa Tebankou, pas. Mais alors, vous êtes quel genre du peuple et quand? Dans le peuple et quand là, vous vous unissez seulement quand il faut venir abattre Élise parce qu'elle a échangé avec Fleur de Lille. Mais voyons, voyons. Mettez un peu la barre plus haute. On veut qu'on nous félicite avec des actes. Qu'on nous félicite avec des faits. Je suis partie à Strasbourg avec une enveloppe de honte. Pourtant, j'ai battu campagne ici pendant plus d'un mois pour que vous cotisez dans ce litige. Que notre père a fait une soirée, il a beaucoup dépensé l'argent. Le litige va le reconforter derrière. J'ai dû prendre de ma poche pour ne pas aller donner une enveloppe honteuse. Honteuse au nom du peuple et quand. J'ai pris de ma poche, j'ai remis dedans. Et tu viens ouvrir ta sale gueule, ton clapet là. Tu veux insulter Élise. Ngayeno, c'est l'argent qui te manque. La plupart d'entre vous là, c'est l'argent qui te manque. 20 euros vous dépassez à mettre dans le litchi. 50 euros vous dépassez à mettre dans le litchi. Ayez souvent un peu honte, hein. Ce n'est pas parce que je n'ai pas, c'est pas, on ne parle pas, c'est parce que nous-mêmes on a honte. Nous-mêmes, moi personnellement, j'ai eu honte. Et je me suis dit que si je viens mettre ma caméra et parler de ça, ce sont les autres qui vont se foutre de nous. Moi, je ne veux pas la solidarité dans la haine. Je ne veux pas la solidarité pour abattre un de mes frères ou une de mes soeurs. Tu fais tes choses sur Facebook. Moi, Élise, Sandra, je n'ai jamais ouvert ma bouche pour venir te dire que Mojang, ne marche pas comme ça, ne pas causer avec un tel. La personne m'a insulté, je déteste tel, je hais, j'ai envie de la tuer. Je n'ai jamais mis ma caméra pour venir t'interdire de jouir de tes relations facebookistiques. Pourquoi tu mets ta caméra hier pour venir dire que Flore a parlé de toi, elle dit que c'est toi qui l'a appelé, elle t'a humilié, elle dit que tu as supplié. Tu es sûr, mot pour mot, que ce sont les mots qu'elle a employés. Ou c'est parce que ça, c'est toi qui veux dire ça de la sorte, parce que tu espères me faire du mal, tu espères faire du mal à ta sœur. Tu es sûr, mot pour mot, en allant réécouter Flore, quand elle a parlé de moi, hier, yeah. Tu es sûr, mot pour mot, que c'est ce que Flore a dit. Ne lui prête pas les mots qu'elle n'a pas dites. Dis ce que ton cœur a envie de dire sur Élise. Dis ce que ton cœur pense d'Élise. Ne pas pas t'accrocher au propos de Fleur de Lille pour venir me dire ce que toi, ton cœur, veut que tu me dises. Je n'aime pas les lâches. Tu as compris? Je n'aime pas les lâches. Facebook est un monde vaste. Chacun part où le vent l'emporte. Comme tu te pavanes là, moi, Élise, je pourrais faire pareil. Si Fleur de Lille n'avait pas braminé ça sur les réseaux sociaux, tu n'aurais jamais été au courant que j'ai échangé avec elle. Jamais. Et toi, tu dis que comme elle a ramené sur les réseaux sociaux, c'était pour m'humilier. Par rapport à quoi? Elle est venue faire la pub de sa soirée. Elle a utilisé l'échange que j'ai eu avec elle. Vous venez faire la pub de sa soirée, Aurora, en disant haut et fort que j'ai dit que je prenais une table. Mais je suis capable. Est-ce que c'est que je suis incapable? Je lui ai répondu ça, que tu me sous-estimes, tu me sous-estimes. Je suis capable. Est-ce que je suis incapable? Non. Faites la part des choses.
La culture à la culture, le japap au japap. Le peuple au peuple. Le japap au japap. Quand c'est le moment de parler peuple, unissons-nous. On parle peuple et on défend le peuple. Quand c'est maintenant le moment de japapteuse là, ne mêle pas le peuple dans ça. Et si toi tu veux me parler, parle à ton nom. Ne dis pas que nous, le peuple Ekang. Parce que quand on a demandé aux Ekang, quand on a demandé au peuple Ekang d'aller à Strasbourg, moi, Élise, je ne t'ai pas vu. Moi, Élise, je ne t'ai pas vu. Tu aurais même pu ne pas cotiser. Mais ton acte de présence m'aurait fait plaisir. J'aurais dit que voilà une qui combat pour notre peuple. Vous ne pouvez pas venir foutre le travail que les gens font ici, là, qu'on se prend des coups, on se fait insulter, on se fait caricaturer, on nous bloque les pages, on nous signale les pages parce que Élise est partie échanger avec Fleur de Lille. Parce que toi, tu n'aimes pas Fleur de Lille. Tu la hais, tu l'as dit hier. J'ai eu Frodo, on est Niabouane. Tu dis que tu vois le serpent, on montre Fleur de Lille, tu tues Fleur de Lille. J'ai eu Frodo pour une mère d'enfant, que toi tu es ma sœur. Tu tiennes ce genre de langage dans les réseaux sociaux pour rien. Onyabouane, une maman dose. Elle sait doser. Même dans la haine, tu doses. Parce que tu ne sais pas demain ou après-demain qui sauvera ton enfant dans la rue. Même dans la haine, il faut doser. Facebook, c'est les stratégies. Toi-même. Toi-même, Sandra Rose, dans la stratégie facebookistique, là, est-ce que tu sais que toi-même, on t'utilise? On t'utilise propre. Tu connais ton petit nom des réseaux sociaux? Toi, tu es partout, une sans direction. Tu m'as déjà vu intervenir dans un live ici. Je crois que le seul live que je voulais souvent intervenir, c'est chez toi. Tu m'as déjà vu Chongo ça intervenir? Jamais. Tu m'as déjà vu chez tous ces gens qui sont sur la toile là intervenir? Jamais. Même si je veux parler à quelqu'un, hein, c'est back. Je dis que c'est derrière. C'est pour ça que je te dis que si Flore, en faisant le live qu'elle a fait hier là, par rapport à nos échanges, ce n'était pas à son intérêt, elle ne l'aurait pas fait. Mais comme c'est à son intérêt, elle dit que merde, je profite de l'occasion, aura. C'est la stratégie. Facebook, c'est la stratégie. Si tu es bon stratège, tu gagnes. Si tu es mauvais stratège, tu perds. Oui. Même dans la haine, il faut doser. Il faut te donner des limites. Je t'ai dit que va taper le compte de Colin Nana là. Va voir ce qu'il nous fait là-bas. Mets ta caméra. Insulte-moi, Colin Nana. Parce que tu défends le peuple Ekang. Tu défends notre cause. Traite-moi-le. Donc, il faut arrêter. Je n'aime pas la solidarité pour abattre un frère ou une sœur. Soyons la même solidarité que vous avez faite hier pour m'abattre là. Faites aussi la même solidarité quand on a besoin de vous. Peu importe comment on a besoin. Dès qu'on dit qu'on a besoin du peuple Ekang. En tout cas, nous de la diaspora, soyons aussi solidaires pour ça. Je ne veux pas retenir de l'homme Ekang qu'on se met ensemble quand il faut tuer un des nôtres ou une des nôtres. Je ne veux pas retenir ça dans mon cerveau. Je veux pouvoir retenir que oui, quand on nous a appelés à Strasbourg, il y avait les Ekang comme ça. La salle était même petite. Je veux retenir que quand un des nôtres même m'a litigé pour une cause qui nous concerne, valable, parce que je ne serai pas la première à faire un litige. D'autres vont faire, ils vont nous interpeller d'aller leur venir en aide. J'aimerais que chaque enfant, chaque fils et quand, pas donner même 10 euros. Je dis que même 10 euros. Là, j'appelle ça solidarité. Je ne veux pas la solidarité seulement dans la haine. Je ne veux pas la solidarité dans la destruction de l'autre. Quand il faut combattre, on met nos tenues de combat, de guerrière.
feu à volonté. Mais ça ne veut pas dire que chacune de nous ou chacun de nous peut avoir sa vie privée derrière. Vous avez vos amis ici, je contrôle vos amitiés. Vous pavanez partout, je vous contrôle. Pourquoi vous voulez me contrôler? Pourquoi vous voulez me mettre dans une jouque? Pourquoi vous voulez me mettre dans une case qui vous arrange? Et quand il faut alors me mettre en haut, je ne vois personne. Je ne vois personne. Au contraire, c'est vous-même qui mettez les bâtons dans les roues. Encore. Vous vous excitez sur quelque chose, sur un petit échange téléphonique, sur 5 messages échangés avec Fleur de Lille. Vous vous excitez, vous avez envie de mourir. Je ne sais pas si je vais... Le téléphone, s'il ne prend pas les appels. Je vais changer le téléphone bientôt. J'espère que ça va... Je vais changer le téléphone bientôt. Attends un peu que je sois bien. Le téléphone, s'il ne prend pas d'appel. Non. Je ne veux pas l'unité dans le faux. Je veux l'unité dans tous les domaines du peine. Il y a aussi quelqu'un qui a écrit, fait un post disant que quand il fallait faire la publicité des écrans, est-ce que Fleur de Lille a fait ma publicité? C'est culturel. C'est propre aux écrans. C'est comme si la communauté de Flore faisait la publicité pour leur événement. Et moi, Élise, je prends ça, je viens mettre sur ma page ici, là, pour faire leur publicité. Non, je ne le ferai pas, parce que ce n'est pas, ça ne me concerne pas, ça concerne leur peuple. Donc, vous auriez aimé que, comme je veux faire la publicité de Flore de Lille pour son événement musical où elle a invité le tubo d'Afrique et tout, vous voulez aussi que quand je parlais de l'événement du peuple écan, l'intronisation du peuple écan, vous vouliez qu'elle vienne faire la pub, que ça la regarde? Est-ce que ça la concernait? Vous mélangez tout pourquoi? Vous mélangez tout pourquoi? En tout cas, hein, moi, perso, Sandra, je suis ravie de ce qui s'est passé là. Parce que moi, t'es un gol d'Issouam, Anna, tout, à Soumour, lui, dans cette histoire, voilà. Quelqu'un que je pensais que c'était ma personne, mais je ne pensais pas que la personne allait passer par derrière, faire attiser ça à sa sauce pour te pousser à ta sortie. Pour te pousser à sortir. Dans votre groupe là, dans le même groupe, là, tu n'es pas parti, dit que il y a la fête, il y a l'intronisation de Papa Tugunkuo. Tu n'es pas parti, dit que Elisa fait un litige, pardon, mes soeurs, allons même donner 20 euros là-bas. Ce n'est pas 20 euros qui peut nous dépasser. Mais quand il faut mettre la caméra, Elise, je suis très fâchée. Pourquoi? Comment tu as pu appeler Fleur de Lille? Comment tu as pu appeler Fleur? Oh, tu as même supplié. Tu as supplié la soirée. On supplie la soirée, ma. Depuis quand on supplie une soirée, un événementiel, tu payes, tu vas t'asseoir. Depuis quand on supplie? Ou c'est parce que c'est ce que tu as envie de dire? Oh, elle t'a humilié. Quelqu'un vient me remercier. Sachant que ça va déranger. Tu tombes aussi dans le jeu. Je m'en vais tuer Élise. Je m'en vais abattre ma soeur. Elle a causé avec Fleur de Lille. Fleur de Lille est venue l'humilier sur les réseaux sociaux en disant qu'elle l'a appelé. Mais oui, souffrez de quelque chose qui n'a pas lieu d'être en souffrance. Mais Sandra, fais un peu dans l'événementiel, je viendrai te soutenir. Je vais chanter ton nom ici, ton événement jusqu'à... Parce que je vais dire que je soutiens ma soeur. Ce que les autres font là, pourquoi vous aussi, vous ne le faites pas? Ils n'ont pas le monopole des soirées. Vous qui avez un peu de moyens là, Sandra, au lieu de passer ton temps à dilapider ton argent pour exister et nourrir les gens sur les réseaux sociaux, fais une soirée, tu invites une artiste, tu fais aussi dans l'événementiel, on va venir, on va faire la publicité. Dissocier les choses. Il y a le Japap, il y a la culture,
et il y a le peuple. Tu ne peux pas mélanger les trois. Il y a un temps pour la haine, il y a un temps pour défendre son... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Diamant. C'est comment? Tu vois que je vais mettre le volume. Attends, je vais alors te... Je vais là, le volume. Vas-y, tu peux parler. Bonjour à tous, je suis bel et bien Diamant Ange devant Nicobel et Dine Fistawa. Je vais apporter un soutien total à la princesse Ekan Elise Labattante pour ce qu'elle fait et que chacun sache une chose. Les combats, peut-être les différences que nous avons entre nous, ne peuvent pas nous amener à des guerres inutiles. Apporter le soutien pour un événement culturel ou à une autre personne ne nous emprisonne pas. Il faut que les gens comprennent des choses réellement. Elle a bien expliqué parce qu'on fait parfois les comparatifs des événements culturels et des soirées dansantes qui englobent tout le monde. Dans l'événement culturel, ça concernait la partie culturelle exceptionnelle des enfants et cas. Donc, on ne voit pas pourquoi d'autres communautés pourront se promouvoir. Mais elles peuvent assister si elles sont invitées parce que c'est toujours ouvert. Mais qu'on lui fasse le procès d'avoir échangé avec une consoeur, mais c'est malsain, c'est même pas bien. On peut tout dire ce que nous faisons dans les réseaux sociaux. On pense effectivement que nous n'avons pas de problème entre nous. Petit pays a un événement, une autre consoeur en train de promouvoir, mais je ne vois pas pourquoi, si elle échange avec une autre Camerounaise, ça vous regarde à quoi? Elle vous a dit que cette Camerounaise a tué quelqu'un pour elle, a tué sa famille, a tué son enfant. Alors essayez un peu d'être logique. On peut être solidaire dans notre propre communauté. La communauté Ekan peut soutenir les Ekan quand ils ont des événements culturels ou bien quand ils invitent les artistes d'une autre communauté et tout le monde y participe. Ceux qui veulent participer, ils peuvent rester tranquilles. Ceux qu'on peut interpeller, qui viennent mettre la main, viennent s'ils veulent et qu'ils ont le temps. Et il ne faudrait pas que les followers soient juste en train de faire de la médisance parce qu'une des leurs, une sœur camerounaise d'abord, et une fille Ekan, parle avec une autre consœur camerounaise, une fille de l'Ouest, et vous allez prendre ça et mettre comme si ce sont des problèmes. Elle ne vous doit rien. Et je pense effectivement que elle peut apporter un soutien parce qu'elle peut apprécier l'artiste Petit Pays, que beaucoup de gens connaissent. Il ne faudrait pas que des petites choses de rien du tout, on nous met dans des positions comme chien et chat. Et ce n'est plus bien. On peut critiquer d'autres communautés pour des choses qu'elles font ou bien qu'elles ne dénoncent pas. Quand on prend peut-être, par exemple, même le cas de Lolo, elle ne dénonce pas les saletés qui se passent chez elle. Et Elise Battante a dit à Mondo Vision, allez sur le compte de Collins Nana, regardez les bêtises que ce gars écrit. Mais on ne voit pas ces mêmes gens aussi, ou bien les autres aller taper. Mais ça n'empêche pas que tu peux soutenir une autre personne. Il faut que nous le sachions. Il faut savoir ça une fois pour tous, au lieu d'entrer dans la haine inutile. Chacun peut apporter son petit soutien. S'il y a un événement et que les gens veulent soutenir, vous apportez le soutien. S'il y a, comment on dirait, un truc associatif, si vous voulez aller apporter des modestes contributions, vous participez. Ça n'enlève rien à du fait que nous sommes Camerounais, nous avons notre diversité culturelle que chacun doit d'abord commencer à promouvoir. Alors, les combats à aller agresser Elise Labattante, lui dit des choses ne diabolent, ne vous soutient, ne vous apporte rien. Elle va rester une fille Ekan et les autres vont rester les filles Sawa, les autres seront les filles de l'Ouest, les autres seront du Nord. Et ensemble, quand on va se retrouver, ça sera une fierté. Ça ne lui empêchera pas
le droit que quand le mal se passe de l'autre côté, elle intervient, elle dit en bon et due forme. Je pense effectivement que dès maintenant, écoutez ce qu'elle a en train de vous dire et ne lui apportez pas des critiques inutiles. Elle ne vous a pas demandé de venir la soutenir pour aller tuer quelqu'un. Et ce n'est même pas beau. Ça ne va apporter un profit à personne. Je ne vais pas la soutenir pour aller tuer une autre personne parce qu'elle n'est pas de la même communauté ou parce qu'on a insulté les enfants de sa communauté. Non. Mais elle a le droit d'apporter le soutien à qui elle veut et surtout ce qui est culturel. Protégeons nos cultures, protégeons toutes nos soirées culturelles, d'où elle vient. Et maintenant, c'est à nous de savoir que nous devons être solidaires au lieu d'être rien qu'en train de bavarder. J'espère que j'ai apporté ma modeste contribution. Et que, bien que je suis un peu de bruit dans le silence, comme les ennemis de la République aiment bloquer mes pages, je suis bel et bien le digne fils d'avoir diamant en Genève Nicolas. Je vous remercie, je pourrai revenir au cas si c'est nécessaire. S'il y a une question. Ok, merci beaucoup, Diamant. Ok, merci. Merci, bon, il est 10h14. J'avais dit que je n'allais pas mettre long dans le direct. J'ai déjà même exagérément mis long. Donc, si Sandra, si tu vas appeler, là, tu appelles directement en ligne. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, je veux bien prendre. Là, il est 10h14. Je peux prendre deux ou trois personnes, hein, si quelqu'un veut intervenir. La ligne est libre. Donc, moi, je pense que j'ai mis mes points sur les i et mes barres sur les t. En ce qui concerne ma sœur, Maman Diamant, Sandra Rose. Parce que c'est toi qui me fais sortir ce matin. Et c'est pour ça que je t'ai dit que tu as été relativement méchante au début de ton live, que je n'ai pas compris cette agressivité à mon égard. Je n'ai pas du tout compris pourquoi tu t'es mis dans cet état pour un simple coup de fil, pour un simple échange de SMS. Pourquoi tu t'es mis dans cet état? Je n'ai pas compris pourquoi tu as voulu être aussi méchant. C'est ce qu'on appelle souvent la méchanceté gratuite. Tu as compris? Ça, c'est ce qu'on appelle souvent que tu fais la méchanceté gratuitement parce qu'il faut abattre ta personne. Mais j'ai aussi compris quelque part par rapport à ta sortie que c'est une question de reconnaissance, c'est une question d'ego, c'est une question que toi aussi tu veux ta place. Mais moi, je ne garde pas la place pour moi toute seule. La preuve, il faut voir ma page. La majorité des choses que je partage sur ma page, ce sont les lives de mes frères et sœurs et tant. Les Junior Zogo, les VP de Londres, les Josuan. Faites l'historique, baladez-vous sur ma page. Il y a même très peu mes vidéos, puisque moi, je ne fais pas des vidéos matin, midi, soir. Je ne fais pas des vidéos tous les deux jours. Donc, la plupart des partages qu'il y a sur ma page, ça concerne mon peuple et ce qui me va de droit. Moi, je n'ai pas compris. Je ne savais pas que tu voulais aussi une certaine reconnaissance. Mais si tu veux une reconnaissance par rapport à nous, tes frères, tes soeurs, tes pères, tes mères, tes cousins, tes cousines et quand, mais nous sommes là, on va te soutenir. Mais ne fais pas tchap, 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 au tchou soutien, au tchou soutien, on a quoi nunke, au tchali, au tchinke, au tchi. Ne fais pas ça. Si tu veux un blog à toi, fais ton blog, ma soeur. Moi, Élise, qui suis ta soeur, je vais te soutenir. Je vais te soutenir. Parce que moi, je ne fais pas passer d'autres avant ma famille. Je ne fais pas passer les autres avant ma famille et quand. Ma famille est quand d'abord, les autres viennent derrière. Je suis comme ça et ça ne choque pas. Tu ne peux pas m'enlever ça. Tu ne peux pas mettre ta caméra avec tous les mots aussi durs, aussi forts que tu as eu à mon égard. Parce que, soi-disant, tu n'es pas contente que j'ai eu à échanger avec Fleur de Lille. Non. Non. Je refuse cela. Et mêler le peuple dans ça. Tu mêles les écrans dans nos histoires de Facebook, pourquoi? Tu mêles ton peuple dans ça, pourquoi? Parle, Jérine! Tu mêles les écrans dans ça, pourquoi? Tu veux dire que tout le combat qu'on a bas là, on n'attend pas de reconnaissance, on n'attend pas qu'on nous paye, on n'attend rien. Tu veux foutre tout ce que
Moi, Élise, j'ai fait comme travail parce que j'ai échangé deux, trois phrases avec Fleur de Lys. Ma sœur, t'es normal? Tu es normal? Tu n'es pas normal. N'embarque pas le monde, le nombre avec toi. J'ai ta place, une place avec moi dans cette histoire de Fleur de Lys. J'ai cette place, une place avec moi. Même si c'est le clash que tu veux avec moi, je ne vais pas te louper. Je te dis ça en te regardant dans les yeux. Même si c'est le clash que tu veux avec moi, Sandra, moi, je ne vais pas te rater. Je te dis ça. Donc, laisse les écrans où ils sont dans leur monde, dans leurs histoires. Quand je voudrais parler aux écrans, je mettrai ma caméra, je parlerai aux écrans. Quand je voudrais défendre ma communauté, je mettrai ma caméra, je défendrai ma communauté. Quand je verrai des injustices par rapport aux écrans, je mettrai ma caméra et je ferai ce que je sais très bien faire. Et tu sais que je sais le faire. Tu sais que je sais le faire. Et quand je le fais, je ne mets pas de gants. Je ne regarde pas qui est en face de moi. Et tu le sais. Donc, de grâce, ne me déteste pas pour une banalité qui n'a pas lieu d'être. Fais la part des choses. On ressent Facebook site à part. Peuple et camp, à part. La culture, à part. Ne mélangeons pas tout. Quand il faut les combattre, quand c'est vraiment qu'allons défendre nos gens. Je suis la première à me placer devant Ogora. Mais au bout d'un certain moment, quand c'est calme, on se calme aussi. On revient aux meilleures idées. Voilà. Personne n'appelle. Bon, comme je n'ai même pas mis l'audio. Je n'ai pas mis la ligne. Je mets la ligne. Personne ne me dit que Élise met le numéro. Je mets le numéro. Si quelqu'un veut intervenir, épingler. Comment on épingle? Voilà. Je mets le numéro si quelqu'un veut intervenir. Bonjour, bonjour, bonjour. Tu ne peux pas savoir, Sandra, comment ça m'a fait mal de ne pas te voir. Comment ça m'a fait mal de ne pas te voir à Strasbourg. J'ai pris ça comme une trahison, mais j'ai pris sur moi. Parce que dans des moments comme ça, il faut garder sa maîtrise. J'ai gardé la maîtrise de soi avec cette histoire de Strasbourg. Pour beaucoup de personnes, j'ai plier le petit doigt pour beaucoup d'entre vous de ne pas vous avoir vu à Strasbourg. J'ai plié le petit doigt pour avoir fait un litige pour venir en aide à notre majesté de la diaspora. Papa à Tebonkou, je n'ai vu personne cotiser dedans. J'ai plié le doigt. Mais j'ai pris sur moi. J'ai gardé la maîtrise. Vous croyez que c'est facile? C'était quand même, c'était humiliant. C'était humiliant. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Elise. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va. Bon. J'appelle pour intervenir sur ton direct. Hein. C'est vrai que je l'ai pris, j'ai pris le direct à 51 minutes. Ah oui, j'ai déjà mis tant de temps. Mais je vais quand même intervenir. Parce que c'est vrai que je ne sais pas, je ne connais pas trop très bien le déroulé du problème qui se passe maintenant. Mm-hmm. Je suis tombée cette nuit. C'est moi, Coco, hein, Coco de Lys. Ah, moi, j'en. Yeah. Oui. Oui, ça va, ma bien. Je suis tombée sur le direct de la nuit, je suis tombée sur le direct à 5 heures. Le direct de ma petite copine, Gaëlle.
j'ai essayé d'écouter un peu la discussion. Quand le direct fait plus d'une heure, moi, je ne l'écoute pas beaucoup. J'écoute et puis j'analyse, j'ai lu les commentaires et j'ai réagi. Ce que je vais dire ici, je vais m'adresser à vous deux. À vous deux. Parce que vous êtes mes petites sœurs. Vous êtes des inécans comme moi. Je vais vous dire que ça soit toi, que ça soit Sandra, vous avez tous merdé à chaque moment. Vous avez bien, vous avez tous merdé. Mais comme nous ne sommes pas, moi je ne suis pas juge, je ne suis pas Dieu pour vous juger, je vais dire, aucun d'entre vous, aucun d'entre nous n'est parfait. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans l'organe de Facebook. Il y a des problèmes depuis 8 ans, 10 ans que nous tous nous suivons sur les réseaux sociaux. Ça va, ça revient, ça va, ça revient. Mais, que les gens ne sont pas des bras, les problèmes sont éphémères, les problèmes sont de passage, les problèmes ne sont pas éternels. Mais il ne faut pas que tout le temps, quand quelqu'un va faire l'appel là-bas avec une personne, toi, ça te fait mal. C'est vrai que tu t'es gâté très mal avec Flore, nous avons vu ici. Mais si tu es reparti vers Flore, vous avez causé et qu'elle est venue et avec ça, pour moi, ça ne peut même pas me choquer. Je vais dire, ah, elle sait pourquoi elle est venue le faire. Mais quand j'ai écouté le direct de Sandra Lamy et certains intervenants, franchement, bon, je ne peux pas dire que ça m'a choqué parce que moi, je ne prends pas au premier degré. J'ai juste fait des commentaires et j'ai dit à Sandra que elle n'a pas, et je l'aurais dit ici, qu'elle n'a pas le droit de se mettre dans tous ces états parce que tu es reparti avec toi. Je le dis ici. Et je me répète que Sandra n'a pas le droit de se mettre dans tous les états parce que tu es fait avec Flore. Je développe en disant, elle-même là où elle est là, sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos, il y a ces directs où elle s'est attaquée violemment et très violemment au Bamiyeki. C'est sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, elle est avec ces gens-là. Ça, c'est une question que moi, je lui donne. Parce que j'ai peur causé avec elle en privé. Je pense qu'elle n'a pas compris. Alors, je viens parler ici parce que vous avez amené ce problème publiquement. Elle sert à un temps, là, elle insultait violemment Pipitolo. Il y a des... Parce que quand on va dire, on passe la relation, on va regarder, mais si quelqu'un a supprimé, il y a des gens qu'on a... Dès que tu fais un truc, tu crois que tu vas supprimer, c'est bien enregistré. Aujourd'hui, elle appelle Pipitologo Tata. Et je vais poser à Sandra la question de savoir pourquoi toi, Élie, ou pourquoi tous les écans ne se sont pas emprunts à elle. Ça, c'est une question que je lui pose. Pourquoi le fait que tu sois allé causer avec Flore veut faire de ça un problème sur les réseaux sociaux. Hein? Mais en étant à un moment donné, on va dire que non, c'est parce qu'on veut faire vivre la page, parce qu'il faut faire ceci. Mais soit vous arrêtez la guerre, soit vous continuez la guerre. Une comme moi, je suis une personne de point. Quand je dis que ma décision, elle est ferme. Je ne recule devant rien. Quand ça va, c'est pas parce que j'ai bien écouté, elle dit qu'elle n'est pas blogueuse. Si elle n'est donc pas blogueuse, elle veut se jeter à la dérive populaire des états pour telle raison. Elle n'est pas blogueuse. Elle fait quoi devant sa caméra? Mais arrêtez un peu ça. Si vous avez vos antécédents, parce que pour nous, vous offrez là que vous regardons. Pour nous, pour moi personnellement, ça me fait mal, honte dans mon cœur de voir ce débat que vous pouvez vivre avec. Parce que j'ai suivi un peu le délai de la nuit. Hein. Depuis 5 heures du matin que je me suis réveillée pour faire ma prière, j'ai fini, je suis tombée sur Facebook. J'ai écouté un peu son direct. Franchement, c'est énervant. J'ai discuté souvent de parler, d'appeler dans les directs, mais franchement, arrêtez ça, Frédéric. Gaëlle, je suis sûre que tu m'écoutes ici. Tu dois arrêter cela, ma petite sœur. Ne cherche pas à jeter Élise dans la. Tu dis que oui, ce que Élise représente dans la famille et quand. Si tu sais que ta soeur représente quelque chose dans la famille et quand, tu l'appelles dans le milieu, tu dis, aïe, tu veux lui jeter à la République populaire parce qu'elle est partie parler avec Flore.
Et toi, alors, qui parles avec des gens, qui les... je vois là, tu appelles certaines personnes dans ton direct, mon mari tel, mon mari Fofou Machin, mon mari de... Donc, toi, tu as arrêté de les insulter, ne tu pas te réconcilier avec eux. Et toi, tu ne veux pas que Elie Ropi, si elle a, bon, parler avec toi, ne veut pas dire que tu es réconcilié. Parler aussi avec toi, ouvrir la porte dans la paix. Mais elle fait ça à un moment donné. Mais c'est pas possible. J'ai été écœurée. Si tu dis que ta soeur, Élise, occupe une grande place dans la famille, hein, et effectivement, tu vas dans l'université, tu ne dois pas lui jeter dans la revue populaire, et tu dois savoir comment lui parler. Hein? Vous n'êtes même pas si, excusez-moi, je t'aime, parce que c'est comme ça que je suis bien cru, je dis, vous n'êtes donc pas différent entre toi et Élise. Hein? Ouais, j'ai coupé l'appel, c'est quoi ça? On me coupe, on m'appelle ici. Je sais que ça ne va pas couper mon... Allô, tu m'entends? Nous, on est toujours là avec toi en live. Ah. Tu es toujours en live. Hein? Oui, d'accord. Ah, d'accord, parce que j'ai un double appel ici, donc j'avais peur que ça coupe. Donc, franchement, il m'a embrouillé ce que je disais. Je disais donc que, Gaël, si tu sais que ta soeur est une blogueuse que les gens suivent, alors, il faut la respecter, il faut lui donner tout le respect. Ne viens pas chercher à le jeter dans la revue populaire chez les étangs. Hein? Parce que quoi? Elle est partie parler avec toi. Pendant que ta femme, tu as commis la même bêtise. Et tu sais que quand tu as commis, je suis venu dans ton inbox. Hein? Et tu lui as dit que franchement, je suis déçu de ton comportement. Ce que tu as fait là, est-ce que c'est bien? Tu m'as dit que c'est Logan. Aussi ta soeur fait Logan là-bas comme elle fait. Parce que moi, elle était venue dans son immense où elle était parlée. Je sais que tu écoutes ses directs. Elle est là. Voilà. J'étais, elle et moi, on a causé quand j'ai vu son cinéma qu'elle faisait là. Je suis allée dans son immense, elle son téléphone, elle appelle quand je veux. Je lui ai dit, elle m'a dit, grâce, voilà, ma copine de deux. Voilà. Je suis restée tranquille. Je pourrais aussi prendre peut-être ma page, je commence à lui faire. Il dit non, Gaël, viens t'exprimer ici. Viens t'exprimer ici, c'est quoi? Allez vous arranger là-bas derrière. Arrêtez-nous ça. C'est que vous savez, c'est que tous les yeux sont sur vous et vous voulez décevoir les gens pendant que les autres supportent les yamsters là-bas que, oh, mais non, ma soeur a dit, on va s'arrêter à Macaline, on mange les plumes. Et vous alors? Et vous alors? Vous n'avez pas honte, Gaël? Mais arrêtez un peu! Vous êtes là-bas en France. Nous autres, nous sommes quand même un peu loin. Dernièrement, comme j'ai trouvé Elise avec le truc. Voilà. J'ai trouvé Elise là-bas avec la bouche que. Avec la parole dans la bouche que. L'autre jour, Majesté a. On a donné Majesté là-bas à machin. On a vu Sandra, tu devais être là. Tu devais être là. Moi, j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé les images, j'ai vu tout le monde. Je croyais que tu devais être là. Tu n'étais pas là. Pourquoi? Et tu vois, aujourd'hui, j'étais Elise dans la vergine populaire que les cancers qui est. Si tu sais que son travail, qu'elle fait, elle fait un bon travail, elle avait un bon travail. Pourquoi tu veux lui faire ça? Bonne question. Mais il faut arrêter. Hein? Honnêtement, je ne supporte pas ça. C'est pour ça que j'ai dit non. Au lieu de commenter, rester là à écrire comme tu es en direct, parce que je viens de tomber. Je n'ai même pas vu que tu as programmé ton direct à 9h. C'est pour ça que j'arrive un peu en retard. J'allais suivre ça depuis le départ. Mais il faut vraiment arrêter ça avec qui. Comportez-vous en grande, en des forces civilisées. Sans de aujourd'hui, tu dis qu'elle n'est pas blogueuse, mais ça me... je suis supprime. Mais ma soeur, tu fais quoi donc? Tu n'es pas blogueuse, tu es classeuse. Tu es classeuse, ma copine. Voilà. Bon, je suis déçue.
Je suis très déçu de vous. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Je pense que vous devez, je ne peux pas tellement arrêter ton direct, arranger ce problème derrière. Mais vous dites, si vous voulez, quand vous ne changez pas, en train toujours de vous mordre entre vous, en train de montrer aux yeux de tout le monde que vous vous détestez. Ma soeur, mais c'est pas moi. Vous ne vous aimez pas. C'est pas moi, c'est elle qui s'est mise. Moi, c'est pas moi, c'est Sandra qui s'est mise dans tous ces états pour ce problème-là. C'est elle qui a même extrapolé ça. C'est elle qui a fait que ça en fait une histoire. Pourtant, ça n'avait pas lieu d'en faire une histoire. Mais comme je sais qu'elle a été aussi encouragée par deux ou trois personnes derrière, et je lui ai dit que bon, c'est dommage. Elle n'avait pas besoin parce qu'elle, elle échange avec des gens. Elle va dans les lives des gens. Elle fait beaucoup de choses que moi, Élise, je ne fais pas. Mais le fait que j'ai échangé avec Fleur de Lille, je tiens quand même à le souligner et je l'ai toujours dit que ça ne fait pas d'elle mon amie. C'est une... Je voulais lui donner un coup de pouce par rapport à son événement et j'estime que c'est plutôt louable. Maintenant que ça énerve tellement Sandra à mourir, je ne m'y attendais pas vraiment. Parce que ce que Sandra a voulu faire, et tu as vu Coco de Liège, tu as bien cerné le truc, hein? Tu as bien cerné la sortie de Sandra. Hein? Le but, c'était quoi? De me cogner la tête avec mon peuple. Hein? De me cogner la tête avec mon peuple. Mais ce que Sandra ignore, c'est que j'ai mon peuple là. Mais mon peuple supporte aussi ces mêmes Lolo et les mêmes Fleurs de Lille là. Hein? Il y a beaucoup de filles et quand qui sont derrière ces deux filles. Et même Sandra est derrière Lolo. Est-ce que j'en fais de ça un problème? Pourquoi vouloir venir essayer de me jeter vraiment à la vindicte populaire comme tu l'as fait hier? Sachant que toi et moi, on n'a aucun problème. Je suis adulte et vaccinée. Je souligne encore ce petit point-là que je suis adulte et vaccinée. J'échange avec qui je veux. J'échange avec qui je veux. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Certains sont là, ils disent que oui, maintenant, Flore n'avait pas besoin que de venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais Flore, en venant mettre ça sur les réseaux, pourquoi ça ne me gêne pas? Mais regardez vous-même que moi, ça ne me dérange pas qu'elle ait fait ça. Parce que je sais pourquoi elle a fait ça. La preuve, on en est là. La preuve, on va retenir peut-être que je suis en train de clasher avec ma soeur et quand. Oui. Pourtant, oui. Oh, tu n'avais pas besoin de sortir sur ça, mon Sandra. Tu n'avais pas besoin de sortir sur l'histoire-ci. Parce que cette sortie de Flore-là ne te concernait pas toi personnellement. C'était visé et réfléchi. C'était visé et réfléchi. Et très stratégique. Très, très stratégique. Maintenant, on est là, on parle de la soirée. On parle de mon échange avec. Toi, tu le prends en mal, parce qu'il faut m'abattre. Il faut que les écrans me détestent. Mais tu ne demandes pas à tes soeurs et quand ils sont avec Fleur de Lille et Lolo que pourquoi ils sont avec elle. Pourquoi ils ne sont pas avec moi? Voilà. C'est ça qui n'est pas bien. Et moi, j'apprécie, je vais terminer en disant que moi, j'apprécie, Élise, je t'apprécie parce que tu n'es pas une personne bipolaire, vagabonde sur les réseaux sociaux. Mais contrairement à Gaëlle, si elle veut prendre sa place, si elle veut s'imposer, qu'elle se respecte, qu'elle reste à. 1, 3, 7, 6, 5, 4, 6. Comme quelqu'un en train d'appeler. Donc, Ok. Comme tu as WhatsApp, la personne qui appelle appelle normal. Donc, ok. Attends. Tu as fini? Oui. Je vais revenir. Ok, ça marche. Tu reviens quand tu veux. Alors, il y a quelqu'un qui a appelé là. Je vais d'abord appeler la personne. Oh, la personne peut rappeler, hein. Facebook, si c'est quand même la magie et la dimension. Tu dis que tu ne vas pas durer dans le live. Moi, voilà qui tape déjà. Oui.
Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Alice. Bonjour. Merci pour le direct pour recadrer notre sœur Sandra. Tu veux intervenir? Oui, si, je vais intervenir. Ok. Oui, allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Oui. Merci pour recadrer notre sœur Sandra. Donc, je voulais juste dire que vraiment, ce que Sandra fait, nous-mêmes, on est dépassés. On ne sait pas ce qu'elle en veut à Flore. Flore t'a soutenu à l'époque dans ton commerce, dans tes fumées. On a vu toutes les abeilles qui se sont... qui ont soulevé ta vente des fumées, on était vraiment fiers de toi. Il ne fallait pas que Flore de Lille cache, parce que tout s'est passé en public. Il fallait que tout soit aussi en public. Ton appel, parce que tu es une blogueuse et tu es aussi une influenceuse. Donc, elle n'a pas mal fait. Je ne trouve pas ça mal, quoi. Je ne sais pas, c'est mon avis. Je ne trouve pas ça mal. Mais moi, je vais te dire que moi non plus. Je ne trouve pas qu'elle a mal fait. Ça, les gens qui disent qu'elle a mal fait, ce sont ceux que ça dérange. Ce sont ceux qui ouais. Qui la haine. Moi, je ne sais pas qu'elle a mal fait. J'ai bien dit que ouais. Flore de Lille, c'est une bonne stratège. Elle sait ce qu'elle fait. Elle n'a pas fait ça pour rien. La preuve. Vas-y, parle. Donc, Elie, allô? Oui, vas-y. Donc, du coup, Sandra, vraiment, il faut vraiment te calmer. Je pense que tu as suivi les réseaux sociaux depuis... Mais je pense que tu viens de commencer à suivre ces femmes qui sont sur les réseaux sociaux. Surtout, Flore, tu commences à la connaître parce que tu es arrivée comme ça. Tu es en train de t'encharner à tout le monde, surtout à Flore. Nous sommes tous des Camerounais. Parce que c'est des gens de personnes comme ça là que vraiment notre communauté, on se déteste entre nous. Et pour rien. Est-ce que Flore de Lille, vous dites que Flore de qui est... Sandra, tu dis que Flore de Lille est banalité. Mais est-ce que, je veux te rappeler maintenant, est-ce que Flore de Lille était dans l'obligation de supporter Clarisse Wobstor? Si nous, on a connu la mort de Clarisse Wobstor qui allait pourrir dans un hôtel, c'est grâce à Flore, c'est Flore qui est allée là-bas, alors que Clarisse Wobstor, elle est écrans. C'est ça le vivre ensemble, Sandra, s'il te plaît, ma soeur. C'est ça le vivre ensemble. On est à l'extérieur, il ne faut pas qu'on soit, tu es Bamileke, je suis Yaoundé, tu es Bassa, je suis ceci. On est tous des Camerounais. C'est un seul avion, c'est le 237 Sandra. Tu ne vas pas prendre l'avion pour aller en Guinée au Tchad. Nous tous, nous descendons au Cameroun, Sandra. Ce que Flore fait, c'est le vivre ensemble. C'est Flore qui a découvert la mort d'une grande chanteuse, Clarisse Wobstor, qui était enfermée dans une maison, dans une chambre à l'hôtel. Elle était déjà morte. Clarisse Wobstor était morte. Flore est allée la retrouver trois jours après. Trois jours après, Clarisse Wobstor était déjà morte. Flore a caché la maison. On a chassé Flore. On a insulté Flore. Nous tous, on était en direct. Battu les réseaux sociaux, Sandra. Il faut essayer souvent de faire bas la paix. Nous sommes des Camerounais. Demain, si je te rencontre en route, Sandra, est-ce que je vais traverser, je touche du bois, est-ce que je vais traverser les gens qui sont en train de t'agresser? Non, je dirais, ça c'est ma soeur du 237. Il faut que j'appelle la police, il faut que je la sauve. Donc, essaye un peu de tamiser. Essaye de tamiser vraiment ta farine, Sandra. Essaye de tamiser. Flore n'est pas Yaoundé, mais elle fait ça pour toutes les Camerounais. Dernièrement, il y a une Camerounaise qui est décédée. Elle était obligée de venir faire la collecte pour que le corps rentre. Mais franchement, soyons au moins aussi une personne. Si Elise Battante est venue supporter Flore, c'est parce que Flore l'a fait. Flore est allée. On a vu, nous tous, on a soulevé Elise Battante en haut. Excusez-moi, Elise, mais on est des sœurs. Faisons la paix. Faisons la paix. On a vu comment tous les Ivoiriens ont cotisé pour Bobli. Bobli est rentré. Bobli est vraiment rentré. Mais qu'est-ce que vous voulez, mes soeurs du Cameroun? Sandra, qu'est-ce que tu en veux vraiment à Flore de Lille? À chaque instant, tu es en train d'insulter. Sandra essaie de faire bas la terre. Flore ne t'a rien fait. Elise est juste sur sa logique. Elise, c'est une femme qui est dans les réseaux sociaux depuis.
Elle connaît la stratégie, elle connaît comment ça marche. Et Flore n'était pas obligée de casser que non, ma soeur Elise m'a appelé. Si Flore cassait ça, ça n'allait même pas être bien. Il fallait qu'elle vienne nous montrer. Et pour que nous aussi, un jour, si Elise a un problème ou soit un truc, il faut qu'on la soutienne aussi. C'est ça, le 237. Il ne faut pas qu'on s'entretue. Merci Elise, et puis je m'arrête là. Ok, bonne journée à toi. Bon. Qu'est-ce que je fais? Autant de finir mon café, je crois que je viens prendre une dernière personne. Il y a quelqu'un qui a appelé là. Il y a un temps où on combat. Moi, j'en. Sandra. Il y a un temps où on combat. Et il y a un temps où. Yoadim le TikTok. Qui aime bien châtie, bien. Odi ou Vundi? Oui. Sandra, Odi ou Vundi? Odi ou Vundi? Yoadim le Nala. Oui. Oui, allô? Oui, moi, j'en. C'est Sandra. Ah, Sandra. J'arrive à me dire les enfants. Je vois les ex au pic parce que tout ce que je vous attends, attends, je te mets le haut-parleur. Le souci, là, il va vous appeler mes ex-copines. J'ai vu jusqu'à quel point vous êtes capable de partir. Adama, je me pardonne. Donc, quand je suis sur Facebook, là, ça vous dérange. Ça vous pionce. Ah, chica, j'ai dit que ma soeur, Elise Batang, ce n'ira pas à la soirée. Oh, ah. C'est moi qui dis ça. C'est moi, ma Sandra. C'est de ça qu'il s'agit. Elise, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu vas faire la pub, comme tu as dit que tu vas faire la pub, et quand tu vas faire la pub là, moi-même, je vais arriver sur Facebook, sur ta page, dans ta page, et tu ne peux pas me bloquer. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais commenter, je vais dire que boycott total. Si cette boîte, ça n'a pas dénigré mon beau-frère, qu'elle s'en prenne à toi, je m'en fous, parce que toi-même, tu es une blogueuse. Donc, c'est le game de Facebook. Mais cette boîte, ça t'allait dire ça à toi, mon beau-vision, ça en prendra mon beau-frère, ça en prendra ta maison. Tu es une propriétaire en France, Elise, tu as compris, non? Une boîte, ça, ça ne te vaut pas. Elise, tu sais pourquoi je me suis fâchée? Tu sais pourquoi je me suis fâchée? Je ne me suis pas fâchée parce que tu parles avec Michel. Non, je me suis fâchée parce que c'était toi qui fais le premier pas. Et ça change. C'est le premier pas la tête, n'est pas énorme. En tant qu'une difficile, une princesse fille, et quand nous avons un beau dé, ou un beau premier pas, ou un premier pas, ou un premier pas, ou un premier pas, ou et Tana, c'est toi qui m'avais appelé. J'étais moi à l'hôpital. Tu m'as appelé, je t'ai demandé de m'appeler. Tu as dit que tu viens me soutenir, je t'ai demandé de venir me soutenir. Attends, non, nous sommes sur Meta, non. Nous sommes sur Métamodan. Toi-même, tu vas écouter parce que tu écoutes tous ces directs. Toi-même, tu vas écouter, Modan, parce que tu connais qui est Ngwe Satan. Modan, tu la maîtrises. Tu connais qui elle est. Et toi-même, tu sais que ton temps, vous allez encore avoir les soucis. Et elle va encore venir à Montovision dire que c'est toi qui l'a appelé parce qu'elle ne t'a pas appelé. Voilà donc mon mécontentement. Tu as compris, non, Modjam? Ce n'est pas que j'ai un problème avec toi. Je n'ai pas un problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. Toi et moi, on bagarre à midi. À midi une, on discute le consensuel ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne chauffe pas. Et c'est comme ça. Et tu ne peux pas me jeter. Je suis ta sœur. Jamais, jamais. Que tu le veux, ou oui, ou non, je reste ta sœur. On dit chez nous, là, moyen moran, moukimoyem. Au minimum, on voit, et même voir au toit aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas me jeter. Je suis ta folle. Tu prends ta folle. Je suis ce que je suis. Je suis même une tueuse en série. Tu vas seulement que sauf que me prendre. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas aller me jeter où? Tu vas aller me jeter où? Nulle part. Et moi, je te dis que tu es ma montagne. Et je dis tous les haineux qui sont venus parler ici, là, même les gens que je connais dans la vie réelle. Au jour d'aujourd'hui, là, vous êtes bloqués. Même sur mon WhatsApp, je vous bloque. Je bloque tout le monde. Et vous avez dit que vous bloquez parce que c'était là. Hein. J'ai envoyé l'invitation à Modjam. Elle a dit que non, son téléphone ne prend pas les gens en ligne. Donc,
tous vos commentaires. Tout là, je ne veux pas bloquer les faux profils parce que les faux profils, ce sont les gens que je ne connais pas. Et moi, j'aime quand les faux profils m'insultent. Mais les gens que je connais dans la vie réelle, je vous bloque, je bloque tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous bloque parce que j'étais là. Je regardais les messages, j'écoutais, j'étais là, je voyais tout. Donc, j'ai tout noté. Moi, j'ai encore compris, non? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, à ce sujet-là, moi, j'ai dit que je vois le serpent. Je vois Ngoué Satan. Je laisse le serpent ou alors je pars dans le même trou que le serpent, mais je ne peux pas aller dans le même trou que Ngoué Satan. Pour rien au monde. Parce que c'est ce qui a détruit les gens. Et ça, tu le sais, mon Jean. Tu ne peux pas dire que tu ne le sais pas. Tu le sais, Wajimnala. Donc, ce qu'il a, il est hors de question. Je te dis qu'il est hors de question. Je suis ta petite sœur. Mais je te dis qu'il est hors de question que tu ailles à cette soirée et tu n'iras pas. Et je vais mettre tout en œuvre. Je vais mettre tout mon énergie. Je vais même venir habiter chez toi pendant une semaine. Comme la soirée, là, c'est le 9. Je viendrai habiter chez toi à partir du 4. Je m'installe dans ton sous-sol. Je m'installe en bas de ta maison. Ça veut dire que le 9, si je te vois partir, je tombe que sur toi, non, boum. Je tombe que sur toi, je fais arrêt cardiaque. Comme ça, la soirée, là, tu n'iras pas. Tu vas seulement sauf que me porter et m'emmener à l'hôpital. Papa. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne connais pas les stratégies de guerre. Voilà l'homme à part de stratégie de guerre que je te donne aujourd'hui. Là. Que je viens chez toi à partir du 4. Et le 9, si tu pars, je tombe des années. Arrêt cardiaque. C'est toi qui vas appeler les pompiers que venir chercher ma soeur. Et c'est toi qui vas m'amener à l'hôpital aux urgences. Tout ça là pour que tu n'y ailles pas. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'iras pas. Donc, vous que je connais dans la vie réelle, je dis que vous bloquez. Je bloque tout le monde. Je vous bloque. Les pauvres aussi peuvent continuer à m'insulter. Mais les gens qui parlent souvent avec eux dans la vie réelle, parce que moi, j'étais là, hein. Depuis là, je vous écoute. Depuis là, depuis que tu as lancé ton direct, même quand tu m'as lavé, tu as le droit de me laver. Je suis ta soeur, je suis ta petite soeur. Tu as le droit de me laver. Tu as même le droit de taper sur moi. Si tu veux même taper sur moi, tu as le droit de taper sur moi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les gens que je ne pouvais pas imaginer, les gens à qui j'ai toujours accordé mon respect, les gens là sont venus montrer leur haine. C'est là où tu vas donc comprendre que des fois, là, on vit avec les gens dans la vie réelle. Mais on ne les connaît pas. Je dis que j'ai vu les écrits. Ceux qui t'ont même appelé au téléphone, j'ai reconnu les voix. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, vous êtes bloqués chez moi. Les faux profils, moi, je vous laisse. Moi, je vous ai toujours laissé. Je n'ai jamais bloqué un faux profil parce que le faux profil m'a insulté. Jamais. Je vous ai dit que j'adore ça. Quand on me lave, c'est là où moi, je prends mon pied. Voilà. Si vous ne savez pas qui elle est pas mazo, moi, je suis mazo. Voilà. Mais les gens qui connaissent dans la vie réelle, là, je vous bloque. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Élise Battante, lave-moi. Fais tout ce que tu veux. Mais le neuf là, je tombe évanouie devant ta porte. C'est toi qui vas m'amener à l'hôpital. Sandra. Tu n'iras pas cette soirée. Sandra. Oh, bah. Bonne journée, maman. Attends, ok. Sandra, avant de prendre une dernière personne, Sandra, je vais te dire une chose que. Dans la rencontre à Strasbourg des Écan, ça a été dit que les filles Écan doivent arrêter de se mettre en spectacle des injures entre eux sur les réseaux sociaux. Tu n'étais pas là-bas, je t'informe de l'une des décisions qui a été prise là-bas. C'est pour ça que tu vois que j'ai eu mal pour ta sortie d'hier, parce que tu aurais même pu m'appeler derrière on allait s'expliquer. Kevin. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, ça peut intervenir. Allô? Attends. Oui, c'est bonjour, c'est Perle. Ah, Perle, tu es rentrée. Je suis rentrée, ça fait deux. Bientôt deux. Puis ça fait peut-être 10 jours. Ok, je viens prendre ma part de condiments du Bongo Tchobi. Elle ne finit pas ça encore. Il y a quoi? Je viens prendre ma part des condiments du Bongo Tchobi. Il n'y a pas de souci. Le jour que tu seras à Paris, je vais t'amener. Ok, vas-y. Même, tu vas t'envoyer si tu veux. Je suis comme ça au travail, j'appelle vite. Vas-y. Par rapport au direct là, que tu es en train de faire. Là. Oui. Moi, j'appelle pas pour toi, j'appelle pas pour Sandra. Moi, j'appelle pour la concerner, qui a eu la soirée.
que tu as dit que tu vas partir. Tu ignores pas comment cette dame elle est. J'ai entendu une dame venir intervenir là, comme quoi Flor t'avait soutenu. Pourquoi les gens aiment mentir comme ça? Ça leur amène quoi de manipuler les gens, de vouloir toujours avoir raison, enfin non. Flor ne t'a jamais soutenu. Tu l'as payé. Donc, c'est un service qu'elle a rendu de l'argent que tu l'as donné. Alors, toi, tu es en train de la soutenir parce qu'elle ne te donne même pas 500. Tu ne devrais même pas en parler de sa soeur, elle ne te donne pas l'argent. Parce que nos soeurs de l'autre, après qu'elles sont très sages. Quand il s'agit des leurs, elles demandent de l'argent. Quand c'est nous, on demande l'argent, mais quand elles sont bien par compassion, zéro compassion, je suis d'accord jusqu'à demain avec quand que tu n'iras pas à la soirée là. Et puis moi-même, je vais pour mettre la soirée des bordels à terre. Ça sera à terre, je vais mettre ça à terre. Ah oui, et que toutes les personnes, tous ceux qui entendent de la vie, écoutez-moi très bien, tous ceux qui entendent Elisa, toutes ces personnes qui vont aller à cette soirée-là doivent s'attendre de leur nudité dehors, doivent s'attendre du sabotage dehors. On a vu dans le deuil de la doyenne où l'argent dont les gens cotisaient par compassion. Donc, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'obligation. Mais la même banque a pris la liste des noms des gens qui ont donné de l'argent. Donc, gratuit, même je peux dire. Parce qu'il n'y avait pas d'obligation. Donner ça à cette porte de vie. Porte de vie, la plus à mettre dans les réseaux sociaux. Donc, vous, je parle au bien, je parle à ma forêt. Parce que vous, là, vous êtes très hypocrites. Et vos amis, je sais que vous, nos frères de l'Ouest et sœurs, là, sont très hypocrites. Et leurs amis, les intimidants, quoi. Si vous voulez aller, vous avez l'habitude qu'on vous baise, on vous met dans les réseaux sociaux, c'est pour vous là-bas. Mais ceux qui aiment leur dignité, ceux qui aiment leur fierté, d'où ils viennent, de leurs parents et de la personne qu'elles sont, évitez cette soirée-là. Oh, c'est pas parce que déjà, elle fait du copier-coller. Comme elle a entendu, elle avait vu que en 2024, j'avais fait une soirée. Elle est vite venue faire. En 2023, pour qu'elle dévance, pour vous montrer que c'est elle qui a toujours le premier monopole. La soirée, là, sera à terre. Donc, ils vont se retrouver là-bas en se bambiquer comme d'habitude dans leur soirée, la moitié de temps. Donc, la soirée, là, nous, tous, on va faire la fête avec. Comme elle a l'habitude de faire la fête des choses ou des gens. Je suis pas d'accord. Dis, vas-y. Mais tu vois alors que, c'est suite à cette position-là que j'ai dit que non. C'est quand même la culture. C'est quand même un petit pays. Oublions même un peu que Flore. Non. Attends, ma soeur. Il ira chanter dans d'autres soirées. Ma soeur. Sachez aussi dissocier parfois quand il s'agit de la culture, non? Non. Moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est la même qui va indiquer. C'est le sabotage, la qui parle, alors que moi, je ne suis pas. On a vu ici, là, avec des choses, je vais te faire la paix. Elle était dans une soirée, elle s'est mise en train d'insulter famille du coin, elle disait que c'était une location famille du coup. Donc, c'est la même qui a dit petit pays, c'est la même qui va insulter petit pays. Et je vais parler de ça à mon peuple Sawa. Ah oui. Ils ont dit qu'à partir de maintenant, ils vont seulement valoriser les artistes bambiques. Qu'ils vont étranger les artistes. La soirée, là, sera à terre. Nous, on va trop que parler. Et c'est qu'est-ce que moi, on m'écoute jusqu'au Cameroun. Parce que même quand je vais au marché central, les mamans me reconnaissent. Donc, ils vont écouter ce que j'ai dit. La soirée est à terre. Le jour que petit pays va aller dans une autre soirée, mais il faut que ce soit, même si c'est un autre ensemble de l'Ouest, si j'ai le moment de temps, je parle à ce pays. Si c'est fort de l'île, je dis non. Et petit pays, moi, je vais t'avertir parce que cette sale chose-là, elle va venir inciter, donc venir te détruire, même si tu n'existes pas, elle va dire que ça y est. Il faut faire très, très attention, Elise. Si tu aimes ta petite personne, si tu aimes ta petite famille, si tu aimes ton mari, tes enfants, éloigne-toi de cette fille. Parce qu'elle est venue, comme je sais que tu l'avais payée, mais elle est venue faire comprendre à les réseaux sociaux comme quoi elle t'a fait ça gratuit, comme si toi c'était moins que rien. À un moment donné, il faut te donner la valeur parce que tu es une femme très valeureuse. Tu ne dois pas mélanger ton homme. Tu peux soutenir comme tu as parlé. Mais c'est ce que je fais, non. Je soutiens. Je soutiens la culture. C'est que c'est toi qui as appelé. Mais je dis, le fait que je l'appelle. Parce que quand elles invitent leur sœur, elles partent à une box. Il y a une fête qui vient de passer de Maman Africa, là. Maman Africa a invité tout le monde en inbox. Mais elle est venue m'inviter, moi, en direct, dans mon direct. Pour montrer à tout le monde. Moi, je n'aime pas leur hypocrisie, là. Moi, la première édition de Poche, je suis allée. Parce que je suis allée sur
C'est une amie qui m'a dit que allons-y. Mais la deuxième, elle a voulu venir montrer à tout le monde que moi, je suis l'invité, mais ses propres soeurs et ses propres gens qu'elle aime bien, elle les faisait back-back derrière. Il faut qu'on se donne du respect. Parce que moi, je dis et je redis et je suis contre. J'ai la peur. J'ai dit, Perle, vous êtes déjà d'abord en train de vous mettre dans tous ces états comme ça, juste parce que j'ai passé un coup de fil à Flore, je lui ai dit, envoie-moi deux, trois prospectus, je vais te faire la pub pour soutenir ta soirée, parce que j'ai constaté qu'on est en train de lui boycotter sa soirée. Mais maintenant, si moi, Élise, je décide de partir à cette soirée, j'assiste à la soirée pour encourager et promouvoir la culture camerounaise, parce que le chanteur qui vient à cette soirée-là, c'est quand même le tubo d'Afrique, petit pays. Donc, vous allez mourir. Non, mais est-ce que c'est la seule soirée que tu fais? Vous allez mourir, vous allez me tuer. Si tu vas dans cette soirée, si tu vas dans cette soirée, tu es un adulte. Mais si tu vas dans cette soirée, moi, je vais considérer que c'est pas un délire que tu vas soutenir. Parce que les soirées, ce n'est pas la première que tu fais, viens à Paris. Ou bien viens à la diaspora. Il y a des soirées et des soirées. Mais si tu veux aller faire. Mais vous êtes. Tu n'es pas préparé pour ça. Tu pars pour pas un délire. Et c'est qu'est-ce que c'est pour toi et l'une qui aurait fait une soirée, Paul Denis n'allait pas venir. Qu'est-ce que et tu en sais? Elle allait te demander l'argent. Qu'est-ce que tu en sais? Elle ne pas les autres. Elle ne pas les soutenir, les Ivoiriens qui ne les gèrent même pas. Mais saboter les propres. Je dis, c'est même pas. Les premiers, ils disent que nous sommes tous du même pays. C'est eux qui viennent nous apprendre qu'on est de vrais, on est du vrai rouge. C'est fini la manipulation. C'est un peu comme avant. Et la soirée, là, mais il y a une soirée. Que je vais donner mon avis. C'est comme ça. Et maintenant, toi qui es adulte, tu décides ce que tu veux, mais il faut écouter parfois l'intérieur que tu as eu. Il faut écouter ce que tu as eu au passé. Parce que cette même porte de vie, ça fait partie des résultats, c'est moins que rien. Pour quelqu'un qui a venu t'acheter les couches, comme tu sais, elle t'a fait ta lèvre. Il y a tout ça qui va en compte. Ces filles-là, elles font de la méchanceté, mais pour leur propre intérêt, elles font passer ça comme du game. C'est pas du game. C'est très, très attention aux réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec elle. Moi, tous les jours, je me disais, mais ça ne doit pas empêcher de dire à ceux qui sont les réseaux sociaux, c'est qu'ils m'ont fait, c'est la réalité. Donc, c'était mon intervention, maman. Okay. Je continue à te suivre en solo avec mon ami Massaï. Nous, on t'a l'œil, vous êtes des foirés. Et puis, moi, si j'étais à Paris, moi, je serais venu soutenir mon grand frère, comment on appelle, à tes gens. Déjà, j'aime ma soeur, ma copine qui était là-bas, que j'ai vu, avec elle aussi là. Donc, si moi, j'étais à Paris, la prochaine fois. Tu veux casser la chaise là, c'est quoi? Vous avez dit, asseyez-vous bien. On est, tu le parles. Oui, parce que quand c'est entre eux, les soeurs, ils s'écoutent. Donc, quand toi aussi, écoute, nous sommes tes soeurs. Parce que si ça vient, c'est toi, c'est nous qui allons te soutenir. Et là, ils vont se moquer de toi. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Ok, je vais dans le direct, non. Ok, tu es intervenu, tu as donné ton point de vue. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Élise, ma tante. Bonjour, madame. Je voudrais intervenir dans votre direct. Oui, allez-y. Voilà, Élise, ma tante, moi, je ne suis ni bamiliquée, ni tante. Bon, je voudrais intervenir en tant que personne neutre dans ces histoires de clans. Donc, Élise Battant, on vous a toujours, vous avez toujours été une place du Facebook et vous n'êtes pas une élue. Vous avez toujours défendu des causes qui vous portent. Donc là, vous soutenez vos sœurs qui veulent évoluer et je précise, vous n'avez pas été dans les clans. Vous soutenez votre peuple et quand. Donc, je ne comprends pas pourquoi dire que vous avez trahi le peuple. Pourquoi les gens pensent que vous avez trahi le peuple et quand. Est-ce que le peuple et quand déteste, est-ce que c'est tout le peuple et quand qui déteste Flore de lui? Bonne question. Donc, ça veut dire que présenter les choses comme ça peut faire croire aux gens que le peuple et quand est un peuple tribaliste. Ce qui n'allait pas le cas, à ma connaissance. La preuve, voilà les dépenses qui soutiennent ce projet. Pourquoi les gens ne se soulèvent-ils pas? Pourquoi les gens ne se soulèvent pas contre les dépenses? Pourquoi ce n'est que vous, contre vous, que les gens veulent se soulever? Que vous ayez appelé Flore, ou que ce soit Flore qui vous ait appelé, il est où le problème? Je pense que mes souvenirs sont bons, que Flore a été chez vous porter votre bébé. On sait tous dans la tradition africaine, ce que cela représente. Et je ne l'oublierai jamais d'ailleurs. Quand une femme accouche,
et qu'on vienne porter son bébé chez elle, c'est très profond dans la tradition africaine. Donc, quels que soient vos antécédents avec Fleur de Lune, vous avez quand même partagé une histoire ensemble. Que vous l'ayez payé pour qu'elle vous fasse votre pub ou pas, mais est-ce que vous l'avez aussi payé pour qu'elle vienne porter votre bébé chez vous? Non, non, non. Voilà. Donc, vous avez votre histoire et vous êtes une grande femme. Vous êtes mature, vous êtes responsable. Donc, ce que je vais aussi prendre un exemple. Vous n'aviez pas de problème à ma connaissance avec Fleur de Lune quand cette histoire d'argent a surgi sur les réseaux sociaux. Mais vous avez défendu, comme vous le faites toujours si bien, votre frère étant Monsieur Amot. Il a su vous poster sur ses pages quand vous le défendiez à ce moment-là. Mais depuis que l'histoire s'est arrêtée, on le voit plutôt inviter Lolo Foja à ses soirées. Vous aussi, vous êtes une blogueuse. Il peut aussi vous inviter. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Est-ce que vous n'avez pas de cœur? Est-ce que vous ne voyez pas ça, mais vous ne prenez pas ça en compte? Les gens font ce qu'ils veulent. Mais quand vous voulez faire ce que vous voulez, ça devient un problème. Franchement, la mentalité, on ne comprend plus les choses. Tous ces gens oublient que vous avez été à un moment donné avec Fleur de Lune. On sait que dans toutes les amitiés, si déjà dans des familles, il y a des histoires, à plus forte raison, dans des histoires d'amitié. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Vous savez au fond de vous ce que vous ressentez pour Fleur de Lune ou pour Lolo ou pour les autres blogueuses. Et de tous vos combats, regardez bien, quels blogueurs sur cette toile ont essayé de vendre vos produits? Je pense bien qu'il y a Compressor, il y a Fleur de Lune, il y a une autre, je ne sais plus trop le nom. Pour toutes ces sœurs, toutes vos sœurs étant, laquelle de vous a partagé vos produits sur son mur quand vous faisiez votre commerce? Pourquoi donc, à un moment, quand vous voulez, puisque avec le geste que vous avez posé montre que au fond de vous, vous êtes quelqu'un de bien, vous reconnaissez ceux qui ont été là pour vous. Pourquoi quand vous voulez donc rendre la parole à ceux qui, à un moment donné, vous ont porté dans leur cœur, pourquoi est-ce que ça devrait faire un problème? C'est vous qui savez au fond de vous ce que vous avez partagé avec ces gens-là. Raison pour laquelle vous n'avez pas hésité une seule fois de soutenir quelqu'un qui vous a soutenu aussi. Mais il est où le problème? Moi, ce que je peux vous dire, Élie, faites les choses telles que vous les ressentez. Vous êtes une place, vous soutenez qui vous voulez et quand vous voulez. Donc, ne tenez pas compte de ces gens qui, à cause des clans, qui détestent, des gens qui viennent prôner, qui viennent dire à haute voix qu'ils détestent une personne du fond de leurs entrailles. Mais c'est effrayant. Et quand je suis votre direct, à chaque fois que vous entendez ces expressions, on le voit à votre mine que c'est pas votre, que non, ça ne vous plaît pas d'entendre des gens dire ça. Et lui, franchement, votre geste est louable. Peu importe ce que les gens vont dire, que vous ayez fait le premier pas, c'est normal. Vous avez fait le premier pas vers quelqu'un qui est venu porter votre bébé chez vous. C'est ça que vous devez retenir. Quelqu'un qui est venu chez vous, quel que soit ce qui s'est passé, mais ça n'enlève pas ce geste-là. Moi, je pense que ce geste-là doit vous porter vers ce que vous voulez faire. Vous voulez aller à la soirée, vous partez. Vous voulez la soutenir, vous partez. Mais vous avez gardé, félicitations, vous avez gardé vraiment, vraiment le cœur, je ne sais pas, vous êtes resté vous-même. Les réseaux sociaux ne vous ont pas détruit. Et ça, félicitations, Élie. Quel que soit ce que vous faites, au fond de vous, vous êtes quelqu'un de bien. Et ne changez surtout pas. Merci. Bonne journée. Bon. Je vais donc vous laisser. Je vais vous laisser. C'est vraiment... Facebook, si, quand même. Hein. Voilà encore quelqu'un qui va intervenir quand je veux que tu partes. Et qui est Facebook? Oui, allô?
Allô, coucou Elise. Oui, bonjour. Bon, intervenir s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Allez-y, vous êtes d'ailleurs la dernière personne que je prends, comme ça. Oh, ok. Je vais être courte en fait. En fait, ce que j'entends là, ça me fait froid au dos. J'aimerais juste partir un peu sur un couloir. J'aimerais savoir si il faille que Dieu regarde tous nos péchés, en fait, à nous tous. Parce que quand on parle souvent de flore, j'ai l'impression que c'est le diable en personne. Pourtant, nous, dans notre vie de tous les jours, on fait du mal aux gens, on heurte les gens, on a fait des choses dans le passé. Mais on demande pardon à Dieu, il nous pardonne. Même dans la prière, on dit souvent « pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Si nous ne pardonnons pas à quelqu'un, Dieu ne peut pas nous pardonner. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tout le temps, Flore a fait ci, Flore a fait ça. Mais quand on regarde, il y a aussi beaucoup là, dans la toile, qui ont insulté des gens pour rien. Sandra, si on lui demande « Flore, t'as fait quoi ?» Elle a insulté, elle a insulté. Mais toi, à toi, elle a fait quoi ? Rien. Mais à un moment donné, j'ai vu la vidéo d'un monsieur aujourd'hui qui comparait les anglophones et les francophones. Les anglophones se soutiennent dans la culture et il faut voir, ils font des concerts dans des stades. Pourtant, chez nous, c'est juste des soirées. J'entends Perl qui dit que non, on ne doit pas soutenir Flore, mais quand quelqu'un d'autre va inviter Petit Pays, mais c'est à Petit Pays qu'on fait du mal, c'est pas Flore. Mais il faut arrêter un moment donné. C'est la culture, c'est notre culture, c'est du Cameroun qu'on va parler. Mais je suis vraiment sidérée. Nous tous, on fait du mal. Nous tous, nous avons fait du mal. Essayez un peu de mettre de l'eau dans votre eau. Et moi, je vais te dire, bravo, Elise. En dehors souvent des injures et consorts, moi, j'ai constaté que quand toi, tu as ta chose à dire, tu dis, tu ne regardes pas que oui, on va monter sur toi, on va faire ceci. Tu dis ta chose, tu donnes ton avis. Et c'est ça que j'apprécie sur toi. Je sais que demain, si on va faire quelque chose, tu vas venir lui parler. Bon, il n'y a pas de souci, mais il faudrait aussi que les autres apprennent à faire la part des choses. C'est tout ce que je voulais dire. Okay. Bonne journée. Bonne journée à toi. Bon, allez. Ah, si je n'arrête pas le direct, si je ne vais jamais finir. Oui, allô, bonjour. Allô? Si je n'arrête pas. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame Naya. Bon envol. Ça va? Vas-y, on t'écoute, la ligne est ouverte. Voilà, je veux parler Mayotte. Je vais parler en français pour que tout le monde comprenne. Je parle pas le patois. Okay. Je parle pas le patois. Je voudrais poser deux questions à Sandra et à Perle de Luxe. Perle de Luxe, quand vous soutenez les lolos, est-ce que Elise Battante fait les directs pour vous? Est-ce qu'elle intervient dans vos directs pour être contre vos idées? Sandra, Sandra aussi, qui est dans tous les directs où on déteste Flore de Luxe dans la toile. Elle est dans tous les directs, j'ai dit tous les directs de méchanceté où on tire sur Flore de Luxe. Quand tu interviens là-bas, est-ce que Elise Battante a déjà lancé le direct un jour pour venir dire que pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi dans la vie? Quand vous avez des problèmes avec les gens, à un moment donné, il faut baisser les gars parce que vous avez la haine viscérale. Sandra et l'autre, ils ont la haine viscérale, donc une haine au point où ils sont capables de mettre le poison, même pas dans le verre de Flore, même dans le verre d'une autre personne. Même Elise Battante dont vous parlez là. Il suffit qu'on vous invite avec Elise Battante, déjà que vous avez la haine pour elle là maintenant, elle peut toiler, vous mettez le poison dans son verre parce que elle a juste appelé Flore de Luxe. Et je voudrais dire ceci. Quand Elise Battante a accouché, vous là, que vous avez les écarts, vous étiez où? Toi, Sandra, toi, Perle de Luxe, vous étiez où quand Elise Battante a accouché et qu'elle était dans les moments difficiles? Ce n'est pas Flore qui l'a soutenue, vous vendez ce poisson fumé. Vous étiez où pour acheter les clientes pour que les clientes viennent acheter? Ce n'est pas Flore de Luxe qui faisait tout ça? Hein? Laissons la haine un peu de côté et voyez le positif, ce qu'on a fait de bien. Dans la vie, quand il y a des problèmes, dans la toile, quand quelqu'un a un problème avec une autre personne, c'est que la personne veut se déstabiliser l'autre personne. Voilà, Elise Battante, elle est passée à acheter de plastique de bord au marché pour venir combattre Flore de Luxe. Hein? Pourquoi vous ne voyez pas ce que Elise Battante, elle n'a pas fait sur Flore de Luxe, au point où les gens se sont désabonnés sur sa page, parce qu'on ne pouvait pas imaginer ça d'Elise Battante.
Pourquoi vous ne voyez pas ça? Et lui, le pasteur a insulté copieusement Flo, insulté sa mère, insulté tout le monde. Bah oui, c'est de bonnes guerres. Quand je lui ai fait le direct, tout faux. Elle a traité bien le propre de l'église de bâtard. C'est de bonnes guerres, c'est normal. Mais si aujourd'hui, l'église de bâtard se baisse les armes et qu'on voit sa soeur du même pays, je pense pas que si Flo de l'église tombe là ou l'église de bâtard se tombe là, une dame, elle va pas traverser. Elle va soulever, malgré qu'il y a des victimes dans des bonnes guerres. C'est pas Elise Patel qui a montré comment Bertrand se mange chic aussi parce qu'il a la pâte de porc pour venir laver aussi Flor de Lis. Donc, il n'y a pas de cas chez Elise Patel. Et de vous sortir aujourd'hui de votre trou à rat pour venir parler. Vous étiez au cas, vous êtes des camps, vous dites que vous êtes des camps. Moi, quand je suis au camp, je suis en train de parler, non, non. Vous étiez Elise Patel qui a été couchée. Vous là, vous parlez là. Parce que Elise Patel qui meurt aujourd'hui là, vous allez vite chez lui. Et je vois que la personne qui peut aller même chez Elise Bata, c'est toujours Flor de Lis. Hein? C'est toujours Flor de Lis là, tout le sacrifié parce que vous voyez que son étoile brille. Mais vraiment, c'est pour que tu fais. Ma soeur, bois un peu un coup d'eau parce que dans ton direct là, dans ton intervention là, toi-même, tu vois déjà. Quand on dit insulter, quand c'est qu'on clash, tous les moyens sont permis, tous les coups sont permis. L'homme m'a clashé, je l'ai clashé propre. Elle ne m'a pas loupé non plus. Donc, c'était de bonne guerre. Donc, maintenant, c'est autre chose. On est dans une phase qui n'a plus rien à voir avec le clash. Et ce n'est pas non plus une recherche d'amitié quelconque. C'est de venir soutenir sa consoeur. Le fait que c'est moi, Elise, qui suis partie vers Flor de Lis pour demander que donne-moi tes flyers, je vais te soutenir. C'est ça qui pose problème. Parce que si vous voulez toujours vous ramener encore tout par derrière, qu'elle a fait, elle a dit, dans le clash, elle-même, elle avait sorti la tête de porc que je l'avais donnée, hein, la tête de porc fumée que je l'avais donnée. Oui. Hein? Donc, il ne faut pas revenir, essayons de. Et la femme, oui, c'est de bonne guerre. À qui est dans le direct de Dorcas, on décrit Flor de Lis. Sandra est dans le direct. Elle est dans le direct pour parler. Est-ce que tu as lancé le direct pour parler? Jamais. Si tu la soutiens, si tu soutiens Flor de Lis, je suis. C'est parce que tu as trouvé que les problèmes ne sont pas bien et je suis avec toi. À un moment donné, on baisse les armes. Si tu es même dans le inbox de Flor, c'est normal. Elle a dit qu'elle ne peut pas te répondre parce qu'elle est à l'hôpital avec sa mère. C'est pas parce qu'elle était chez elle, ça a sonné, elle n'a pas voulu répondre. Mais qu'elle semble arrêter tout ce qui est comme là, qu'elle laisse tout. Sandra est sur Lolo chaque jour, elle supporte Lolo. Lolo qui a insulté les écrans propres. On fait les commentaires, on lave les écrans propres. Lolo qui a fait le truc que je peux insulter Samy là, pour supporter l'autre, pour supporter celle qui est au pays là. Lolo pour supporter, sans être où pour venir intervenir. Ma chérie, tu vas trouver tes. Tu vas aider, tu vas partager les plans de Flor de Lis. Tu partages, tu dois partir. Tu vas aller, je ne vais pas perdre de lutte et Sandra. C'est les deux haineux de la toile qui est des écarts. C'est les deux haineux des écarts. Sandra et Luce là. C'est parce que je ne peux pas insulter même dans ton brain. Parce que ma souvenir est propre et ça ne chauffe pas. Ma chérie, personne ne dirige ton foyer, Elise Batane. Personne ne dit que aujourd'hui tu vas préparer la viande pour donner à ton mari. Comme toi tu ne gères pas le foyer, toi tu gères ta vie. C'est ta vie, c'est pas leur vie. Et quand il y a le dossier des écarts, tu sors, tu parles des écarts, tu fais ta casquette des écarts, tu parles. Ouais. Quand il y a le dossier de n'importe quoi, tu fais les casquettes, tu parles. Ne sois pas heureux dans la vie. On ne peut pas être dans la haine et évoluer. L'expérience a montré ça. Tu ne peux pas être heureuse et évoluer. Jamais de la vie. Il faut nourrir ton blanc avec la positivité. Et non, la négativité. Pourquoi les abeilles ne se fâchent pas? Parce qu'ils ont trouvé que les problèmes, c'est pas dit. Moi, je suis abeille depuis le temps de Boumiebel. Depuis le temps de Boumiebel, et je suis au camp. Les écarts ne se soutiennent pas entre eux. Les écarts ne se soutiennent pas entre eux. Les écarts, c'est pas. Américains qui soutiennent les écarts. Quand on parle peu et on parle vrai, quand ils composent des écarts, quel écart vient là-bas? Quand il y a le conseil des écarts, quel écart vient? Parce que qui n'a plus de la salle. Hein?
Pourquoi Sam Blasso avec sa haine? Il faut voir comment un gars même venu intervenir dans ce direct. Le gars dit que Floyd Denis a dit que les ténébreux ne viennent pas. Regarde-moi ce monsieur, ce menteur Blasso. Avec le visage de Sam dans le direct, dans son propre direct, plein de honte. Honte à toi, Sandra. Va supporter le lot, tu laisses Élise Batanti faire ce qu'elle veut de son bloc. Tu ne vas pas donner la dictée ce qu'elle va faire de son bloc. Élise Batanti, on est avec toi. Mumba, merci. Ok. Bonne journée. Bonjour, Marthe. Mbolo. Ok, Mbolo. Non, il faut franchement, cette dame qui vient de... Oui, attends, je... Allô? Allô? Mais je dirais, celle-ci, c'est qui? Allô? Oui. Mais pourquoi vous aimez toujours mélanger? D'ailleurs, heureusement que je n'ai pas mis le volume, parce que toi, tu es hors sujet, toi. Non. Oui, allô? 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 Oui. Ah oui. Oui, c'est toujours moi. J'appelle la fin. Je rappelle la Perle. Perle de luxe. Père, attends, je te mets le volume. Il n'y a pas de problème. Tu es prioritaire. Je mets le volume. Mais attends, je fais une parenthèse sur quelque chose par rapport à ce que la fille qui est intervenue là vient de dire. Tu comprends, non? Après, je mets le volume. Ne quitte pas. Je te garde là comme ça. Vous savez, vous voyez les gens intervenir et faire allusion à nous, peuple et camp. Je vois que maintenant, la réunion qu'on fait ici, c'est bizarre, la majorité des écans, vous êtes là. Donc, vous êtes trop fâchés parce qu'il s'agit de Flore de Lille. Je reviens encore sur le début de ma vidéo pour ceux qui n'étaient pas là. Ce même peuple et camp qui veut me mettre en vindicte populaire là pour m'abattre parce que j'ai eu à échanger avec Flore de Lille. J'ai dit, quand on nous a convoqués à Strasbourg, vous étiez où quand on nous a convoqués à Strasbourg? Quand j'ai mis le litige ici pour faire une petite quête pour notre Sa Majesté à Togonkou de Strasbourg, vous étiez où? Je vous ai déjà dit que ce qui nous tue, c'est ce qu'on met le doigt dessus là. L'écran, le point fort de l'homme écran, c'est se réunir pour abattre un ou une des leurs. Mais le point faible de l'homme écran, vous ne vous réunissez jamais pour faire émerger le peuple écran. Pourquoi? Je vous ai dit que je vous ai plié le petit doigt sur deux petits trucs. Sur Strasbourg et sur cette histoire de l'unité. Mais je vous vois vous mettre dans tous ces états. Parce qu'Élise a échangé 5 phrases à tout casser avec Flore de Lille. Là, je reconnais mon peuple écran. Là, vraiment, là, je vous reconnais. Oui, pour des futilités, pour des banalités, pour la haine. Là, je vous vois. Hein. Attention, je lis vos messages. Hein. Je vous lis. Hein. Mais quand c'était pour nous ici, le 19 juillet, là, à Strasbourg, Ningabave, vous étiez où? Ne faisons pas l'union, fait la force. Mais ça va et toi? Parce que c'est Flore de Lille. Essayons aussi de faire l'union, fait la force quand ça nous concerne. Nous. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé ici. M'a dit qu'Élise,
Je compte sur toi pour me laver le lot propre. Je dis pourquoi? Elle a encore fait quoi? Elle a insulté le peuple Ekan pendant son direct. Les filles Ekan qui la supportent là, les Badiki Vasquez, les Batois Sandra Rose. Quand elle a insulté le peuple Ekan, Vicky Vasquez était en ligne, était montée sur son live. Après, quand elle a commencé à insulter le peuple Ekan, Vicky Vasquez a dit, bon, moi je pars, hein. Moi je pars d'abord ici, comme c'est déjà les insultes pour le peuple Ekan. Vous étiez où? Mais la personne a pris son téléphone, m'appelait moi, Élise, que je traite le faux corps de Lolo, parce qu'elle a insulté notre peuple. Le même peuple que vous êtes derrière elle pour la soutenir là. Mais quand il s'agit de nous, il n'y a pas de coalition. Il n'y a pas de coalition quand il s'agit de nous. Un petit litige vous a dépassé à cotiser. Payez vos billets de train pour Strasbourg, vous a dépassé à y aller. Mais aujourd'hui, vous faites une réunion de l'Union fait la force pour abattre Élise parce que j'ai passé un coup de fil à Fleur de Lune pour dire que je veux la soutenir dans son événement. J'ai jacassé ici pendant 2 mois, matin et soir, pour promouvoir la réception de Papa Tebankou. Je vous ai vu là-bas. Je ne vous ai pas vu. Mais bizarrement, là, vous faites l'union, fait la force. Pour qui? Pour qui? Pour un petit coup de fil. Pour un échange que j'ai eu avec Flore et que Flore a jugé comme elle est dans la stratégie Facebook, qu'elle va profiter de cet échange-là pour qu'on parle d'elle et de sa soirée. Rora! Rora! Flore de Perle de Luxe, vas-y, on t'écoute. Je voulais plus répondre à la fille qui vient d'appeler là. Mais il y a un point, il y a 2 points sur lesquels je voulais signer sur ce que tu as dit. Effectivement, nous, l'Incon, ne se soutient pas. L'Incon préfère aller soutenir ailleurs pour se faire aimer là-bas que de se soutenir, un. Et de 2, moi, je ne sais pas comment on fait les litiges dans les réseaux sociaux. Et maintenant, moi, je n'ai que ma propre carte. J'ai parfois peur de la mettre dans des endroits. Je ne sais pas encore comment ça se passe pour que je puisse souvent... comment on appelle ça, aider ou participer à certains trucs. Perle. Attends, Perle. L'histoire que la partie est quand que j'aborde là, ma soeur, ne te concerne pas directement. Ah, d'accord. Tu vois. Parce que vous, Perle de Luxe, vous avez fait combien de soirées ici récemment de bassin? Au moins 3. Tu as vu, non? Il y avait du monde, non? Jusqu'à il y a un qui arrive à cette... Voilà, attends, je mets le volume parce que c'est un échange qu'il faut que tu réponds. Les écrans qui sont là entendent. Le peuple Bassa a fait des réunions entre eux et les enfants de la forêt, là, récemment. Oui. Vous avez fait carton plein. Il y a eu une soirée. Oui, je t'entends très mal. Oui, parce que j'ai déjà mis. Enlève le parleur, mais eux, ils m'écoutent. Hein. Ton téléphone, on écoute. On écoute. Ok, attends. Dis un truc. Non, voilà. Donc, non, on a attends. Fait les attaques qu'on fait. Voilà, coup, vous avez fait carton plein, n'est-ce pas? On a fait carton. J'ai vu une soirée de vous en Suisse. J'ai vu une deuxième soirée de vous à Strasbourg, le même Strasbourg, sinon, si je ne me trompe pas. Exactement. Tu as quitté Paris pour y aller, non? Oui. Tu as participé parce que vous avez une sorte de cotisation que vous donnez là-bas, chaque enfant de la forêt là-bas, non? Oui. Oui. Vrai ou faux? C'est vrai. Mon peuple n'a pas tout ça. Parce qu'il manque de solidarité. Mon peuple n'a pas tout ça. La seule fois qu'on a eu l'occasion que nous tous, on doit y aller, ma soeur Perle de Luxe, j'ai eu honte. J'étais endiablée parce qu'il fallait bien que je me mouvoie d'avoir retrouvé ceux qui se sont donné le courage d'y aller. Exactement.
J'ai eu honte. J'ai fait un litige. Ma soeur Perle de Luxe, j'ai fait un petit litige pour que, comme notre majesté à Tobenko avait dépensé beaucoup d'argent pour nous recevoir, j'ai fait un petit litige que bon, si tu dépenses même 3000 euros, on te met même 1000 euros que maman, mon père prend, ça va t'aider, tu ne seras pas contente. Je te dis que j'ai même honte de prononcer la somme que j'ai récoltée. Je dis que honte de prononcer la somme que j'ai récoltée. Mais j'ai dû prendre de ma poche. J'ai dû prendre de ma poche pour donner, pour que ça aide notre majesté. Et tu vois que maintenant, quand Élise décide de tendre la main à une consoeur pour l'aider à promouvoir sa soirée, je suis étonnée de voir que ce sont les écarts qui s'en prennent à moi. Mais d'un côté aussi, Élise, là, sur ce point, tendre la main, tu n'as pas raison. Parce que même Goy pouvait te tendre la main. Pourquoi? Les histoires des écrans la concernent. Quand tu dis, tu as déjà dit ça deux fois. Hein. J'ai même lu ton post. Hein. Tu sais que j'ai lu ton post. J'ai même voulu commenter, mais je me suis retenue parce que j'allais écrire quelque chose que toi et moi, on n'a pas de problème. Tu n'allais pas être contente de lire ce que j'allais écrire. Je me suis retenue sur ton post. Tu as dit ceci dans ton post que Fleur de Lille n'a pas promu la soirée et quand. C'est son rôle. Voilà. Non, restons là. Non, ce n'est pas son... Précise bien, on va parler toi et moi. Précise bien que ce n'est pas son rôle. Là il s'agit d'une soirée culturelle où petit pays qui a un enfant Sawa va venir chanter. Non, ne me dis pas non. Je parle par rapport à ton poste que tu as fait ce matin. Tu as dit ceci. Fleur de Lille n'aurait jamais fait la promotion de la soirée Ekan. C'est son rôle. C'est son devoir. Elle est Ekan. Je n'ai même pas dit Ekan. Est-ce qu'elle est Ekan? Tu n'as pas eu besoin de le dire. Je sais lire. Je sais lire entre les lignes. Tu n'as pas prononcé particulièrement Ekan. Mais tu as fait allusion à cette soirée qu'on a eue à Strasbourg. Est-ce que quand la communauté de Fleur de Lille fait leur flyer, fait leur publicité parce qu'ils vont se rencontrer quelque part, moi, Élise, je vais venir promouvoir leur retrouvail. Est-ce que c'est mon rôle? Comme ce n'est pas mon rôle de promouvoir les rencontres de la communauté de Fleur de Lille, c'est aussi comme ça que ce n'est pas son rôle de promouvoir la soirée des retrouvailles des écans. Ce n'est pas son rôle. Elle n'est pas Ekan. Ce n'est pas elle de le faire. Ce sont les enfants Ekan. C'est à eux de faire cette promotion-là. Comme les gens de la communauté de Flore ont pour devoir et pour rôle de faire la promotion de leur rencontre, comme toi-même, Perle de Luxe, tu as fait la promotion de votre rencontre entre vous les enfants de la forêt. Est-ce que tu comprends très bien où je vais en venir? Je ne peux pas accepter qu'on me critique pour rien. Je suis désolée. Donc, accepte qu'on te critique. On me critique sans les mots. Voilà. C'est bien beau. Vous avez la critique facile. Hein? L'homme écran a la critique facile. Mais quand on veut voir l'homme écran sur le terrain, on ne le voit plus. Quand on veut voir l'homme écran sur le terrain, on ne le voit plus. Vas-y, parle. Vas-y. Je te laisse la ligne maintenant. Comment on appelle comme ça? C'est parce qu'on veut aussi profiter. Tu as fait à ton direct, tu peux rester développé après. Moi, je n'appelais même pas pour ça. Vas-y. Et ma publication n'a pas parlé que des écans. J'ai parlé des côtiers. Les côtiers, il y a les Sawa, il y a les Bassa, il y a beaucoup de trucs. Je n'ai même pas pensé de ta soirée. Je ne parlais même pas de ta soirée. La dernière soirée que tu as passée à Paris, ce n'est pas ta soirée. Donc, ce n'est même pas de cette soirée-là que je pensais. Et maintenant, j'appelle seulement pour cette fille-là qui vient montrer du doigt aux gens. Une abeille qui te cache, qui dit qu'elle est bise. Elle n'est jamais bise. C'est une Américaine, ça te ressent son accent. Elle a ses préférés. Et maintenant, elle appelle. Quand elle appelle, il faut qu'elle parle du sujet, il faut pas qu'elle extrapole. Parce que moi, je vais alors apprendre que je hais Flore de toutes mes entrailles. Et c'est les abeilles qui nous ont appris qu'on parle comme ça. Donc, je la hais de toutes mes entrailles. Et c'est elle qui m'a piqué. Et comme elle m'a piqué jusqu'à ce qu'elle va m'épiler avec son calamongo pour que je la laisse. Parce que je ne vais jamais la laisser. C'est comme ça. Et pas autrement. Et maintenant, elle vient me dire qu'on ne te soutient pas. Je te rappelle ici à cette fille qui a appelé à ton direct que tu as laissé parler.
qu'avant que tu n'ailles soutenir Flore, tu étais chez les patriotes. Donc, quand tu as commencé à vendre tes fumées, ce sont les patriotes qui ont commencé d'abord à te soutenir avant que Ngoï Satan vienne te soutenir. Il faut parfois, quand les gens sont dans les directs, il faut les recadrer. Parce que le nombre de fois que moi j'ai partagé tes fumées, je ne pensais pas que, et à tout ce que tu m'as même rien donné, c'était gratuit. Parce que c'est mon devoir de se soutenir. Mais Flore, pour qu'elle partage quelque chose, tu l'as payé. Donc, quand les gens, là, quand ces bambéqués qui sont cachés avec vos profils, elles viennent parler mal dans les directs des gens, il faut parfois les recadrer. Elles ne connaissent pas. Il ne faut pas qu'elles viennent dire que, oh, Flore, t'as fait ceci, Flore, t'as fait ceci. Elles oublient ce que toi, tu as fait à Flore. Toi, tu as dit carrément devant tout le monde que même si Flore te demande de lécher ses fesses, tu vas laisser ses fesses. Elle a oublié l'autre là. Elle n'a pas oublié l'autre là. Donc, elle dit que porter le bébé, porter. Donc, quand Mani, elle dit qu'on s'est parti porter le bébé de Mani Bélé, c'est pour ça que Mani Bélé va plus respirer. C'est pas que Chantal. En même temps, en tout cas, Mani Bélé et Lady Ponce, ce sont deux seuls. Je ne veux même pas lui donner la parole. Donc, en même temps. Quand elle vient parler, là, il faut qu'elle cadre bien ses fils. Et ils sont en train de dire que je soutiens Lolo, je soutiens Lolo. Moi, elle a dit ouvrir un jour, moi, je vais soutenir Lolo. Le jour que je parlais, c'est pas, c'est pas Lolo qui m'aborde. Et quand Lolo m'aborde, je dois refuser. C'est de la même chose que vous êtes de se plaindre. Donc, si Élise, pas Lolo, Lolo doit refuser l'abordement d'Élise, c'est la même chose. Si Lolo m'aborde, je vais pas refuser de l'aborder. Et vous m'avez vu ouvrir un direct. Soutenir Lolo, bien aller sur les pages de Lolo. Il faut arrêter votre tribalisme des bambéqués. Donc, votre haine des tribus. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Parce que vous voyez bien que sa ligne éditoriale. Quand Lolo a fait quelque chose, je suis sec et je ne demande à personne. Je n'ai pas besoin de tuer, je ne suis dans aucune tuer. Je ne suis dans aucune tuer. Je n'ai jamais ouvert mon tuer. Vous ne m'avez jamais vu donner les éloges à Lolo. Ce jour, dans le jeu des standards, elle m'a donné les éloges. Je lui ai donné les éloges. Basta. On n'est pas amis. Je peux faire arrêter vos conneries, des bordels. Parce que vous donnez bien la haine dans les camions, là, vous l'amenez ça partout. Je ne suis pas une haineuse. Je suis une haineuse des haineux. Parce que quand je suis haineuse, je suis sans doute pas haineuse que toi. Et je hais votre Flore là de tout mon âme. Et ça ne choque pas. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, il faut qu'elle apprenne à bien édifier les gens quand elle vient intervenir dans les yeux de certaines personnes. Je vais te laisser. Je continue à t'écouter. On va revenir sur le fait que d'abord de un, tu peux haïr quelqu'un et t'entendre très bien avec Élise. Je ne suis pas obligée de haïr la même personne que toi. La haine n'est pas contagieuse. Hein? La haine n'est pas contagieuse. Tu peux haïr quelqu'un. Je prends l'exemple de Perle de Luce. Comme tu viens de dire toi-même dans tes propres propos, donc je ne fais que répéter par rapport à tes propos, tu peux haïr Flore, comme tu dis que tu la hais de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais je m'entends très bien avec toi. Je m'entends très bien avec toi. Est-ce que je dois épouser ta haine viscérale contre Flore pour être avec toi? Ce que vous me reprochez là, les autres font ça. Le même direct que j'avais fait la dernière fois, en disant ceci, que Lolo, dès que Lolo voit Flore fâchée, avec un problème avec une personne, Lolo passe derrière être son ami. L'ami de l'ennemi de Flore. Les autres font ça. Ça ne vous dérange pas. Vous la supportez quand même. Je n'ai jamais vu Sandra. Toi, Sandra, je ne t'ai jamais vu venir te outrer que Lolo que tu supportes est avec les gens qui ont été avec Florian. Je conclure. Je n'ai jamais vu te outrer. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça ne prend pas. Ça, c'était le but de mon direct là. Ça ne prend pas. Vous supportez ce que les autres font. Comme c'est Élise. Ah non. Élise. Pourquoi elle a appelé Flore? Pourquoi elle a échangé avec Flore? Pourquoi tu veux soutenir Flore? Est-ce que ça fait d'elle mon amie? Non. Vous voulez boycotter. Je ne suis pas d'accord avec le boycott.
de cet événement. Parce qu'il s'agit de la culture camerounaise. Vous vous jetez sur moi. Donc, je dois être obligée parce que vous détestez viscérablement Flore. Selon vos dires, ça ne sort pas de ma bouche. Vous appelez au boycott de sa soirée. Moi qui suis plutôt fair play, qui dit que non, oui pour le game de Facebook, oui pour les insultes, oui pour le clash. Parce que où je suis là, je ne vous ai pas promis que je n'insulterai plus Flore demain ou après-demain. Je ne vous ai jamais promis ça. Mais pour l'instant là, je pars où mon cœur me demande d'aller. Je pars où mon cœur décide que viens en aide à ta compatriote là. Parce qu'il y a une place. On a le moment où on doit faire la haine là. Mais on a un moment où, quand vous voyez que les autres veulent couler une autre, moi, Élise, je dis non. Je dis non. Et je vais vers elle. Je dis que donne-moi. Je vais promouvoir ta soirée. Donne-moi, je vais te soutenir pour ta soirée. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est le sabotage là qui m'a amené vers Flore pour lui dire que donne-moi tes prospectus. Dis donc, je vais voir qui va m'interdire de ne pas pouvoir te faire la promotion de ta soirée. Personne ne va m'interdire. Parce que vous, vous êtes avec tout le monde là-bas. Vous ne voyez pas Élise. Dès qu'Élise fait un peu, parce que son cœur lui demande de faire, vous êtes fâchés. J'ai insulté le peuple. J'ai détourné mon dos au peuple. Et quand. Petit pays qui va chanter là, il est quoi? Oubliez même que c'est Flore qui fait la promo de la soirée. Ou Petit Pays viendra et chanter. Petit Pays qui va chanter là, il est quoi? Il n'est pas camerounais. Il n'est pas un enfant de la forêt, de l'eau. Il n'est pas un djinfissawa. Pourquoi vous retenez seulement que je suis parti des Flore? Pourquoi vous ne vous dites pas aussi ça dans la tête que je fais ça parce que je veux que la soirée où Petit Pays va venir chanter réussisse? Ça, vous n'êtes pas capable de penser à ça. Je prends la réussite de la soirée là pour qui? N'est-ce pas pour Petit Pays? Et qui est en train de promouvoir la soirée où Petit Pays va chanter? Ce n'est pas Flore. Donc arrêtons. J'ai compris votre mécontentement. J'ai compris vos prises de position. Mais parfois, ce que vous faites, je ne vous interdis pas de faire. Ce que Élise fait, en dehors du combat et quand, ne m'interdisez pas de faire. Je suis adulte, vaccinée. Je sais à qui j'ai affaire. Quelqu'un n'a pas insulté Flore de Lille, comme moi ici sur les réseaux sociaux. Même demain, je ne suis pas d'accord avec elle sur quelque chose sur les réseaux sociaux. Si. Je m'assois sur elle propre. Et ça ne chauffe pas. Parce que c'est mon comme ça. Parce que c'est mon comme ça. Et ça ne chauffe pas. Pour l'instant, je vais soutenir sa soirée. Au nom du peuple Sawa, du chanteur de l'enfant des eaux qui va être là pour chanter, pour que les gens dansent, boivent et passent un très bon moment. Sur ce, bonne journée. Merci pour vos interventions. Nous sommes ensemble. N'oubliez pas, la soirée, c'est le 9 décembre. Le Turbo d'Afrique sera présent. Il va chanter. Hein? Il va chanter il va chanter pour les Camerounais. Il va chanter pour nous. On va danser au rythme de Sawa. On va chanter et danser au rythme Sawa. Le 9 décembre, c'est de ça qu'il s'agit.
Oui. Et ça ne chauffe pas. Vous qui voulez boycotter, continuez à boycotter. Mais ne pensez pas que c'est Flore que vous boycottez. On s'en fout. Ceux qui veulent à tout prix se mettre dans la tête que boycott, boycott, là, c'est par rapport à Flore. Vous mentez. Vous êtes en train de boycotter petit pays. Comme Père de Lix a dit tout à l'heure que non, ce n'est pas la seule soirée. Ce n'est pas la seule soirée. Mais ma soeur, même s'il a plusieurs soirées à faire, il est venu ici pour que toutes ces soirées réussissent. Tu ne peux pas mettre ta caméra, tu dis qu'on boycotte la soirée parce que c'est Flore de Lille, sachant que c'est ton frère Sawa qui vient chanter. Ça veut dire que quelque part, tu boycottes la soirée, l'événement, le concert de Petit Pays. C'est Petit Pays que tu boycottes, ce n'est pas Flore. Flore n'a rien à faire ou à gagner dans ça. Quand je vous dis que la stratégie, c'est quelque chose. La stratégie de Facebook, si. Vous qui vous baladez dans Facebook, vous ne comprenez pas la stratégie Facebook. Voilà alors ce qu'on appelle être stratège. En même temps, je vais vers Flore. En même temps, je veux que la soirée de Turo d'Afrique réussisse. En même temps, non au boycott de la culture camerounaise. Je dis bien que non au boycott de la culture camerounaise. Petit Pays a fait notre fierté et il doit continuer à faire notre fierté jusqu'au bout. Peu importe qui le met devant la scène. Donc, Perle le Luxe, c'est ta famille. Fais la publicité pour Petit Pays. Fais la publicité pour le tuyau d'Afrique. Le reste ne gère pas. C'est aussi ça. C'est aussi ça, avoir de la grandeur. Fais la publicité pour Petit Pays. Le reste, ce qui entoure Petit Pays, on ne gère pas. Ne gère pas. C'est aussi ça, avoir de la grandeur et de savoir dissocier les choses. Et en temps, mais nous sommes sur Facebook. On va se remettre en spectacle ici, Flore et moi. Oh, hein. On va se remettre en spectacle ici, Flore et moi. Peut-être bien que oui. Peut-être même bien que non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bonne journée.